bien le bonjour à toutes et à tous. Bonsoir les gens, merci d'être au rendez-vous pour ce live de la Ligue Pokémon sur l'épée et bouclier. La première ligue. Forcément. C'est vrai. Bonjour, nous sommes là. À toutes et à tous, on se retrouve comme ça a été prévu hier. Exactement, pour le post-ligue sur ma chaîne. Mais il y aura une rediffusion évidemment de tout ce qu'on a fait. De toute façon, il y aura à chaque fois des rediffusions. Hein, voilà, pour ceux qui. Ne vous inquiétez pas, il y aura des parties pour ceux qui veulent juste voir les parties intéressantes, enfin, c'est-à-dire le central. Et si vous voulez revoir tout le live en complet, il y aura aussi un lien qui vous permettra de le voir pour ceux qui veulent se baigner dans un live complet. Exactement. Si ça sera une rediff. Vous êtes déjà 500. Ah ouais, putain. Énorme. Et du coup, oui, le chat. Hop, le mode ralenti. Voilà. Et puis, voilà, n'oubliez pas de balancer les likes et tout. On est parti. Alors attends, avant de partir. Oui, avant de partir. Où on part? Ah oui, déjà, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, est-ce qu'on prend Eternatus pour le faire battre contre Arconté? Ça peut être sympa. Déjà, bon, le Salamèche, on verra plus tard parce que il est que niveau 5. Ah mais qui je remplace? Bon, Millennium, je pense. Ouais. Allez, moi je remplace. Attends, il va être acier quelque chose. Dites pas les types 1. Ouais, toi tu as remplacé Millennium, je pense. Ouais, pour moi c'est le moins fort. Après, il pourrait être utile vu qu'ils sont physiques. Pour le casque brut, mais c'est pas grave, on va mettre lui. Ouais, j'enlève ça random. Bon, après, je sais pas quoi lui mettre comme attaque, on va laisser ce qu'il a. Ouais. 256, t'as vu comme la base PV qu'il est énorme. Ah, oh, putain, ouais. Énorme. Ah, ouais, 256 PV. Ah, lance-flamme, c'est pas mal ça. Parfait pour faire des dégâts. Ouais. Ok! Bah écoutez, on va le mettre en premier, comme ça on verra bien. Pyrux, pourquoi tu as trahi Getsuga? Ah, c'est vrai que j'avais dit que je pouvais mettre Getsuga. Ouais. Attendez. On va remédier à ça. Ah, mais Getsuga niveau 51, le petit Getsuga. Non, on va laisser, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Oui, on va faire Zacian Zamazenta, évidemment. Aujourd'hui. Et bah écoute, je te propose d'y aller, hein. Alors on sait pas trop, il y a marqué explorer Galar, mais bon. Explorons Galar. Hein, ouais, enfin. Je pense que. Ah non, on va à la forêt de Slipwood, du coup. Allons-y. Bakelius, qu'est-ce que tu fabriques ici? Bah et toi alors? J'aime bien venir ici, c'est calme, il y a jamais personne, vu que c'était là que Zacian et Zamazenta dormaient. Ça me plaît, je peux cogiter en paix. Tu dis que t'as eu l'impression que quelque chose te guidait jusqu'ici? Ouais. C'est assez ouf. Au fait, j'ai toujours pas eu l'occasion de te fister. Bravo pour ta victoire. Mon frangin est resté invaincu super longtemps. J'imaginais pas que ce serait toi qui mettrais un terme à sa carrière de maître de Galar. J'ai encore du mal à réaliser. T'as trop la classe, Galius. Ça aussi, j'ai du mal à le réaliser. Genre, à quel point t'as la classe? Et Galius et Pyrux, d'ailleurs. Au fait, ça te dirait un petit combat? Rien que toi et moi, comme avant. Allez. Ok. Et merci, c'est cool de ta part. À Shemsi pour les 5 euros. Vous nous faites rêver, les gars. Best let's play. Ah, ever. Merci, c'est trop par gentil. Contre, ça va être horriblement chiant les cloches. Hein. C'est horrible. Ah ouais? Ouais, c'est tout le temps. Ouais, faudrait. Non, ça attends, bien. Attends, on va ouais, j'avoue. Si, si, on va l'enlever. Ça va être bon. Essayez de vous abonner. Déjà. Voilà, essayez de vous abonner pour voir. Allez, c'est parti. Go. On l'affronte. Oui, on y va. Ah, oui, du coup. Avec Eternatus. Est-ce qu'il a Zacian ou Zamazenta? Ce serait où? Non. Ah, tu crois qu'il aurait l'autre? Je sais pas. Mais non, il est pas encore apparu. Ah non, bah oui. Non, il va avoir son Moumouflon là. Non, il aurait l'autre. Après. Ouais. Bon, Moumouflon. Eternatus! Pas. Ah non, il y a encore. C'est vrai? Ouais. Ah, peut-être que c'est un temps du coup. Bon, il y a rien qui arrive. C'est bizarre. C'est bizarre? Ouais. Bon, les canons, c'est vrai que c'est. T'as 59 quand même. Je crois qu'il a. Ah, il a le truc. Prend hyper cher là. Ah oui. En physique, il rigole pas. Hein. Avec coup critique, d'accord. Bah, c'est encore, je revois. Bon, flex. Y'a encore? Putain, c'est pas possible. Sinon, tu désactives. Hein. Mais j'ai désactivé. Attends. Mais c'est pas le miaou. Tente comme ça. On va voir. Alors, on flex. Hop. Poison, s'il te plaît. Ah, cabra. Attends, il est quel type déjà? Il est poison. Ah, oui. Attends, j'ai pas entendu
s'il y avait un Vincent. Hey. C'est physique ou ce que ça? Il connaît le type, le double type des Taratos quand même. Hein. Bon, il a combattu avec moi, c'est vrai. Il connaît. Cavalerie lourde. En fait, tiens. Allez, Cotter. Ah, Cotter, c'est vrai. Ouais. Cavalerie lourde. Et bah non, allez, un petit marteau bois, Choice Bonder des familles, et là. Bon. Les dégâts de recul vont être par contre démoniaques. Vas-y, je me place. Il y a même starter là qu'on se marre. Ah ouais, oui. Encore Marius, ça je peux rien faire. Ouais, il a quand même monté des niveaux, c'est bien. Tac le lourd. Ça va le faire. Ouais, j'ai rien contre. J'ai pas de feu. Ah si. Allez. Allez, encore. Il y a encore le sang. C'est vrai. C'est incroyable. Il active. On voit même pas l'écran. C'est de la pourriture. Oula, il a fait quoi? Bon, allez, il y a plus de son. Oula. Attends, je simule. Il y a encore? T'as entendu? Oui. Ouais, moi, je sais pas, je lui ai plus de son, je comprends pas en fait. Y'a plus là. Il a fait un test. Oui, y'a. Tintin. Je sais pas quel type il est, oui. Ouais, mais c'est. Après, c'est pas les dents, c'est l'autre truc. Je pense. Hein. Bah non, que quand tu fais un don, c'est normal que ça fasse du bruit, mais ça fait le ding ding dong, ouais. Hey, mais pourquoi il s'est réactivé cet abruti? C'est refresh. Parce que là, on peut même passer vers le fait que t'enlèves. Ouais, tu vois, ça revient. Il faudrait save ça. Non. On peut pas. C'est pas grave. On va utiliser ça. Ah, tu prends l'ancien? Ouais. On va voir ce que ça fait. Vas-y. Bon, pas d'après bon. Pour l'instant, j'ai pas encore entendu le ding-ding. Bon. Ok. On va voir. Moi, je suis en train de jouer à Ultra Soleil. Très bien, t'es à 2 ans de retard, c'est pas grave. J'avoue. J'aime beaucoup de. Ah, il est beau, hein. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on lui fait là? Draco. Meteoro. La puissance dévastatrice. En plus, on le voit. J'aurais pas dû faire ça. Bon, ça va, c'est une autre. Ouais, mais bon. Oh, il a la trouille. Avec le combat. Il y a toujours. Oui. Il y a toujours. En fait, faut pas vous abonner, les gars, c'est ça qui fait les bruits. Ah, il y a eu pas mal d'abonnements là, je suis surpris quand même. Je pense qu'on va rester. Il y a moyen qu'on le tue en mode 2 quand même. C'est vrai qu'on est laissé en reste en mode défini, évidemment. Hein. C'est plus cool. Allez, boulement. Voilà, ça passe. Comment on va? Bah, on va très bien. Alors, on le fait quand même. Moi, je suis un peu malade, mais bon. Sinon, à part ça. On a le mental, hein. Ah bah le voilà, logorithmique. Ah par contre lui il va me... Ah, mégacorne. Oh non, il a raté. Tambour battant, aïe aïe aïe, bon c'est du chaos je pense. Ouais. La guérison. Alors lui, moi j'ai le petit Bergamo là. Je sais pas combien il en reste.
C'est le dernier? Attends. Ah non, il en reste deux. Je vais faire une petite plénitude. Et après, je pars sur un bourdon. Je pense que le certain qui tape le plus fort, ça va être les Argus. Ouais. Ouais. En plus, il est rapide. Bon, il m'a tué. Tambour battant. Attends, mais il adore cette attaque ou quoi? En vrai, c'est pas. Hein. Oui, ça enlève la vitesse. C'est pour ça qu'il va tuer. Ouais, ouais, tu crois, tu crois. Ah oui, j'ai cru. Mince, sabotage. Ouh oh! Bon, y'a pas l'orbe vie, du coup, je résiste. T'as perdu définitivement l'orbe vie, par contre. Mais non. Ouais. Oui, parce que sabotage dans le jeu normal, tu perds l'objet définitivement. Ah ouais? Non. Je savais que c'était pas vrai. Oh, encore un crit, mais il me fait que des crits. What a pick! Il est quoi? Il est déjà électrique, non? C'était chaud. Allez, psycho. Bah, c'est pareil de toute façon. 90, 90. Le son du jeu est plus fort que ma voix. Ah bon? Bon, on va mettre plus bas le son. C'est ça? Ouais, vas-y. 13. Vas-y, attends, on rapproche un peu. Eh ouais, les gars. Je suis plus loin du micro un peu. Peut-être. Ah mince, il est KO. Qu'est-ce qui... Ah, j'ai perdu en vitesse, du coup. Évidemment. Électrique. Bon, on va envoyer. On voyait un petit Yerevan. Il est stylé. Il y a un petit Draco flèche. Ah bah oui, non, c'est bon, j'ai quand même réussi à l'attaquer avant d'être KO. Allez, Draco flèche, j'adore cette attaque. Elle est trop cool. Trop stylé ce Pokémon. Et voilà. Quand il vole, il lévite. Il a lévitation ou pas? Non, il est pas vol. Il est Dragon Spectre. Mais la lévitation peut-être, c'était ça ma question. Non, 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 il a Corse. Ah oui, c'est nul. Non, c'est trop bien, moi il se fait pas intimider. En duo, c'est pas mal, ouais. Intimidation. Corsin ou infiltration, les deux sont sympas, je trouve. Il a un talent caché. Ouais, il doit avoir un talent caché, je sais plus ce que c'est. Ah, ouais, je me disais bien que j'avais zéro chance, vu comment t'as aplati le frangin. Le maître invaincu, mais bon, j'aurais essayé. Oh, mais elle est toujours là, hein. Elle pop de on sait pas où. Toujours, c'est comme ça. Non, mais vous réalisez le beau camp que vous avez fait. Je savais que c'était vous à 100 mètres. Oh, salut Sonia. Pierrux, bravo pour ton titre de maître. On est tous bluffés. Y a de quoi. J'ai de la chance, c'est tout. C'est pas la modestie qui l'étouffe. Hein. Ah non, on fait pas la modeste. Tu l'as pas volé cette victoire. Le modeste, pardon. Sonia, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ta grand-mère qui t'envoie en mission? Ah ouais, je t'ai pas dit, ah oui, là, je ne suis plus l'assistant de grand-mère. Ah. Maintenant, ouais. C'est moi. Oh yes. Sérieux, mais trop bien. Il y aura sûrement une suite à ça, c'est sûr. Il y a plein de gens qui changent de place. Ouais. C'est un peu grâce à vous tout ça. C'est en vous accompagnant au cours de vos aventures que j'ai envie de me plonger dans l'histoire de Galar. Oh. Et je veux dire que même les Pokémon me passionnent encore plus qu'avant. D'ailleurs, cadeau, j'ai écrit un livre, attention, c'est collector. Si j'ai fait une dédicace, c'est tout. Non. Un exemplaire de Sonia est devenu écrivain. Énorme. Ouvrage féminin où elle compte à sa manière les nouvelles découvertes faites au sujet des légendes de Galar. Intéressant. Je l'ai déjà, j'ai fait la queue pour l'acheter le jour de sa sortie et tout. Ah là, c'est mieux pour le son. Ok, très bien, merci. Ah, super. T'es trop gentil, Nabil, je te dédicacerai ton exemplaire à l'occasion. Bref, grand-mère m'a donné sa bénédiction, j'ai bouclé mon doctorat et publié ma thèse. Il y en a qui bossent ici quand même. Hein. Croyez-moi, vous n'avez pas fini d'entendre parler du professeur Sonia. Vous assurez trop tous les deux, je vous admire grave. C'est qu'il a tout perdu le mec. Regardez dans son coin. Bref, qu'est-ce que vous faites ici les loulous? Les loulous, Ah, je sais, vous êtes revenus remettre l'épée rouillée et le bouclier rouillé à leur place. Ah. Vous n'allez pas les garder 107 ans, si? 107 oui, ans. 107 ans, oui. C'est une date précise. Oui, exactement, c'est tout à fait pour ça qu'on est là, bien sûr. Ouais, vous avez complètement oublié. Ah, oui. Je crois pas que Zacian et Zamazenta apprécient. Pyrux, ah non, c'est toi. En y réfléchissant, c'est peut-être ça, l'impression que tu avais qu'on t'appelait ici. C'est peut-être eux. Remettons l'épée et le bouclier à leur place, on leur doit bien ça, vu qu'ils nous, comme ils nous ont aidés. Et qui sait, on les reverra peut-être un jour. Oui, bah ce jour, c'est aujourd'hui. Attends. Ouais, ouais, c'est vrai. Ah ouais. Oui, on est cassé. Ah ouais. Je sais pas si... Et je me demande qui... Je pense qu'il va nous les soigner après. Bon, vas-y, on je va pense, dire, on va parce que dans impossible. Tous les cas, on aura un temps de pause. Oui. Remettons l'épée à sa place. Et qui sait, on les reverra peut-être un jour. Mais, j'ai appuyé là. Ah, non, ouais. Zacian et Zamazenta, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. On vous rend vos reliques. Pardon d'avoir un peu beaucoup traîné. Oh. Vous rendez l'épée rouillée et le bouclier rouillé ensemble. Ça, c'est une bonne chose de faite. Allez, viens, Galous, on rentre ensemble. Hop, 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 minute papillon. Tu es avec nous, Sonia? Non, je vais rester encore un peu. Ah. Je dois faire quelques relevés dans la forêt et... Attendez, qu'est-ce qui se passe?
On est vecteur de source d'énergie, ça folle. Oh, 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 les héros. Je savais, t'étais sûr. Oh. Vas-y, on le fait en même temps. Ah ouais. Eh bien, qu'avons-nous là? Que le peuple est brillant et peu raffiné. J'ajouterais même que c'est vraiment le comble de la vulgarité. Oh, mais bah attendez, je vous reconnais. Vous êtes l'auteur de l'histoire de Galar. Sonia, c'est bien cela? Oui, vous connaissez mon livre? Si nous le connaissons, bien sûr, nous l'avons acheté et lu de bout en bout. J'ajouterais même que nous l'avons lu et avons également publié notre avis en ligne. Les deux, tu vois, ce torchon n'était qu'un tissu de mensonge. Nous lui avons mis 0 sur 5 étoiles. Torchon, je ne vous permets pas. D'abord, il n'y a aucun mensonge dans mon livre. Ouais, il rigole. Non, mais ça va, les deux gros malpolis là. Vous êtes qui d'abord? Ça se voit, non? Je Fleuret. Je me nomme Jean Fleuret. Je pense que c'est l'épée. Attends, toi, c'est. Ah oui, c'est l'épée, oui. Je me nomme Jean Fleuret. Et moi, Jean Targe. C'est quoi cette merde? Attends. Du sang bleu coule, nous novène. Et toi, tu veux dire. J'ajouterais même que nous sommes les plus célèbres représentants de la noblesse de Galar. Célèbres? J'ai jamais entendu parler de vous, les gars. C'est quoi le problème exactement? Oh, mais que vois-je? Sans cela, les légendaires épées et boucliers? C'est bien possible, mon aîné. Mais si ce sont eux, ils sont dans un état lamentable. Oh, comme j'aurais pu n'y aller toucher à main nue. Où sont les domestiques quand on a besoin d'eux? Quoi? Ils s'emparent? Ah, peut-être qu'on va les battre avant. Oh, ce serait stylé. Eh, mais ça va pas, oh, reposez ça, on vient à peine de leur rendre. Silence, Manon! Pourquoi donc nous priverions-nous de les ramasser? Ce n'est pas comme s'ils appartenaient à quelqu'un. Et si vous en êtes fort mari, nous pouvons toujours nous battre pour savoir qui aurait la possession de ces reliques. Mais ça marche pas comme ça, ils appartiennent aux Asiens, Zamazamenta. Zamazamenta. Je vous trouve bien impertinent pour quelqu'un du bas peuple. Oh là là. Je crois que nous avons plus le choix. Il nous faut laver notre honneur en duel. Ce sera un double. J'ajouterai même que nous devons leur donner une leçon. Sachez que lorsque l'on nous cherche, on nous trouve. Normal, me direz-vous, nous sommes dans le Botamonde. Mais on est où là? Au zoo? Au cirque? Moi, Jean Fleuret, je serai votre adversaire. Moi, Jean Targe, je serai votre adversaire. Ah, donc on n'affronte pas les mêmes. Ah, bon, du coup, on n'est pas soigné. Ah, on n'est pas soigné? Enfin. Pas l'artichaut? Ah, on a les mêmes. Peut-être qu'on aura. Ah non, ils sont pas soignés. Bon. Attends, quel niveau? 60. Ça va être chaud! Bon, là, on peut soigner du coup les potes, hein, parce que bon. Ouais. Bon, après, je. Okay, quand même, mais. Il faut que je. Ouais. Son poison, on fait pas grand chose. Enfin, il fait pas grand chose. Oh, là, on a fait la fusion. Moi qui les coupe psycho. On a fait une Galux, là. Ouais. Ah, ouais, ouf. Joute astral, c'est quoi ça? J'ai pas cette attaque, moi. Ok, c'est pas efficace. C'est pas efficace? Dans ce combat, alors. J'ai le temps de soigner un peu. Bah, Zangetsu aussi, quoi. Alors, lui, il peut avoir lévitation ou Ignifuge, je crois. Ah, c'est attaque en deux tours, parfait. Je peux me soigner bien comme ça. Ah, ouais. On va mettre. Voilà. On va soigner cela comme ça, ça devrait le faire. Je l'ai brûlé. Joute astral. Okay. Ah, mur lumière, zut. Je sens pas attaquer deux fois là. C'est pas grave, avec la brûlure et lance-flamme, je pense qu'il y a moyen. Peut-être. Attends, mais c'est quoi ces gens, quoi? Ah, c'est ultra laser de Palartichaud, c'est pas ouf. Ouais, c'est ça, c'est en deux tours, c'est ouais. Tout de chargement. Ouais, c'est bon. Je vais faire bouclier. Non, même pas. Ah, extra sensor, bah oui, c'est vrai. Oh, non, stylé! Cette attaque! Ouais! Là, il va se pas bouger, ok. Draco Shock, changer, pour la différence. Je pense qu'ils sont calqués sur Draco Shock un peu. Ouais. En fait, c'est un gros Draco Shock, ouais, attaque. C'est stylé. Non, les attaques spé, comme je l'ai dit, franchement, ils ont bien changé un peu l'animation. Par rapport aux attaques physiques, ils ont un petit peu, ils ont fait juste des coups des fois. Scalp 3. Ouais. Vas-y, on va envoyer Almata. Ah, peut-être qu'il va faire Ultime Bastion. Ses coupes de cheveux sont excellentes. Mais c'est vrai que. C'est n'importe quoi leur truc, hein. De quoi? Ah, ouais, la coupe de cheveux, c'est. Mais c'est un peu des rigolos, je pensais que c'était les héros. Ouais. Mais en fait, ouais, moi aussi. En fait, c'est juste des rigolos. À moins que ce soit les descendants des héros. Ouais, voilà, ils font genre. Parce que lui, il parle comme ça, mais. Oh là là, encore il est là! Ah ouais! C'est pas les mêmes, donc, je pense. Non, peut-être pas. Ah bah oui, l'épée, du coup. Et moi, Exadron, voilà. C'est le bouclier. Du coup, t'as des Pokémon un peu plus en mode défensif. Ouais, Peut-être. Enfin, dans la visu, quoi. Ouais, voilà. Moi, c'est épée, j'ai Scalproix, c'est genre le mec qui attaque. Lui, c'est aussi un à deux épées. Ouais. Toi, t'as eu lui, t'as eu qui d'autre? J'ai eu Archéodon. C'est bouclier aussi. Là, c'est une grosse cloche défensive. Ouais. Et du coup, deux Pokémon adverses.
La plaisanterie a assez duré. Passons aux choses sérieuses. Oh, là... mais le samizen. Non, non. Un samouraï. Samouraï. Ah, il nous faut languir hein, pour le légendaire. Bah, écoute, l'échauffement est terminé, je vais te montrer comment se bat un gentilhomme. Donc toi, t'es un samouraï. Et un kitty-click. Ouais, bon, enfin bon. Oh, c'est pas. Il faut que je change, hein, mais. J'ai sous-estimé Acnology. Hein. Il se fait tout seul, hein, tout le monde. Ouais. C'est assez fort. Enfin, un petit ballon brûlant et puis on n'en parle plus. Ça, c'est son dernier ? Ouais. T'as vu, c'est pas ouf, hein. J'avoue. Allez, ballon brûlant. Oh non, il fait abri. J'avoue, je préfère la kit de lui. Ouais. En plus, ils disent qu'il est, il est défensif alors qu'il est quand même bien offensivement. Hmm. C'est juste que c'est un gros rouage. Après, c'est dur, c'est vrai, de leur donner des Pokémon. Attache. Oh ! Ouais, enfin bon. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il est bien plus rapide. Il va refaire un abri. Ce qui sert à rien parce que j'ai raté mon ballon volant, hein. Évidemment. Ouais. Avec l'air fou. Il s'est placé à combien ? Ah, ça va. Plus un. Ouais, ça va. Bon, tu rates pas maintenant. Hein. Et il rate. Non, ça va. Allez, go ! Bah ouais, cette attaque était énorme. Tu penses que tu as eu le sortir haut en shiny ? Ouais, je l'ai eu en shiny récemment. C'est pour ça qu'il fait partie de la team. J'adore quand il fait genre comme ça, comme les joueurs et de foot. Et comment t'as eu Charmy en bleu ? J'ai fait du lait à la menthe et j'ai trouvé un... Non, on m'a envoyé un sucre. par la poste. Un sucre, je sais plus comment. Voilà. C'est Jesse James de Galard, j'avoue. Et après j'ai retourné. Ah, on a récupéré le bouclier quand même. Quel affront ! Comment avez-vous osé vaincre ma ravissante équipe ? Il dit la même chose. Laissez-moi vous dire qu'elle a un bien meilleur pedigree que la vôtre. Mais il semblerait que mon puiné est gagné, lui par contre. Mon aîné est gagné, moi. Bon, c'est puiné, donc c'est pas l'aîné. Puiné, c'est quoi ? C'est l'inverse de l'aîné. Ah ouais ? Je pense. Parce que moi, je suis l'aîné. Toi, t'es le cadet, du coup. Mais ils disent puiné, je sais pas pourquoi. C'était un autre mot pour dire l'aîné. Ah oui ! Toi, t'es le cadet, mais ils disent pas cadet, ils disent. Moi, le rouge, il est cadet. Et toi, c'est l'aîné, c'est ça ? Oui. Ah, ils sont inversés aussi, tu regardes. Là, moi, je suis à gauche, toi, t'es à droite. Ah ouais, ouais. Je suis à droite, toi. T'as vu quand il bouge ? Pardon, j'ai un problème de dos. Ah, mais oui, il rigole parce qu'il a perdu Nabil. Putain, c'est pas possible jusqu'au bout, quoi. Ah, bah oui, moi aussi. Eh bien, jeune paltoqué, on a la tête ailleurs. Faut rester concentré au cours d'un combat. Ah, en fait, on a pas les mêmes qui parlent en même temps, en fait. Je viens de comprendre. Moi, même en aîné, ce jeune homme, est-ce que ce ne serait pas celui qui a vaincu Ethanatos ? Ah. Mais en effet, comment avez-vous osé, Maro, nous priver ainsi du privilège de sauver Galar ? D'ailleurs, d'après nos informations top secrètes, vous étiez présent lors de la destruction de la sublime fresque séculaire que nous avaient laissé nos ancêtres. Quelle infamie ! Souiller ainsi l'héritage culturel de notre famille, donc c'est effectivement des descendants. Non, c'est pas nous, c'est l'autre là, avec son pachy d'armes. Presque ? De quoi est-ce que vous parlez ? Ah, du coloriage horrible qui cachait les statues des anciennes et du reste. Mais Pyrrhus n'a rien à voir avec sa destruction. Opérons un repli stratégique et temporaire. Vous ne perdrez rien pour attendre. Nous serons mieux préparés pour notre prochain combat. J'ajouterais même que nous viendrons munis d'une redoutable équipe. Ah, bien. Nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre. Oh, oui, une fois ça. De plus. Jean Fleury, Jean Targe, ça va le perdre. Nabil, non, franchement, mais quelle tête brûlée. Toi, au moins, tu es plus calme. Hein, bah oui, quand même. Ça m'étonne hein, de Nabil hein, qu'il perde face à un guignol pareil. Il n'avait pas l'air dans son assiette pendant le combat. En même temps, il perd tout le pauvre. Il ne devait pas être très concentré. Je pense que c'est lié au fait que tu as battu son frère et que tu es passé maître. Il doit se sentir un peu perdu maintenant qu'il n'a plus d'objectif. Mais bon, l'urgence pour l'instant, c'est les deux là, Jean enfin tu vois qui je perds. Je crois que j'ai une idée pour les retrouver. Je vais tester ma théorie au labo de Brasnik. Tu peux trop bien. J'arrive. Allez, j'arrive. Ah donc c'est là un peu en fait le post game. Ah ouais, c'est cool. Les petites histoires avec eux, la descendance et tout. Ah donc on croyait que c'était légendaire, mais pas encore. Il a autant d'objectifs. Ah, c'est revenu. Il y avait plus de bruit et là c'est revenu. Mais je pense que là c'était un temps du coup. Bah, j'ai pas. Ah ouais. Parce bizarre. Que là c'est un bruit qui est pas. Enfin c'était pas souvent. Là j'ai pas eu de bruit jusqu'à maintenant. Le truc, t'as pas pris ton Pokémon vol. Non. C'est un choix. Non, mais le don, on l'aurait vu pourtant. Eh oui, non, on l'aurait vu. Bon, c'est pas grave. Bon, on verra après, de toute façon, on remercie. Oh, on est même pas soigné. Bon, le labo, de toute façon, il est un peu loin. Oui, il est là-bas. Ah, oui. C'est pas là-bas son truc ? Ah, le labo de Braswick, donc c'est là. Enfin, c'est là. C'est là, Braswick, non ? Oui. Ouais. Juste me soigner. Oui. Histoire, sinon ça s'enchaîne. Ouais, c'est vrai. Faisons-le. Non, j'ai pas pris en oiseau de fer. Bon, ZRFE parce que bah, j'ai ce qu'il faut en acier. Pyrrhus, t'es encore trompé dans Overlay. Non, mais c'est pas grave ça. C'est pas grave, le fond, on s'en fiche. Ah oui.
Enfin, ça, on peut changer. Ouais, mais de toute façon, on va changer pour la rediff. Voilà. Parce qu'on a mis Eternatus aussi, donc. Ouais. Ah oui, c'est pour ça qu'il m'a posé la question, ok. Ah, je comprends. Je comprends tout à fait. Le labo, c'est la route 2, non? C'est ici le labo. Ah bon? Mais non. C'est pas ça le labo? Ah oui, tu as raison. Oui, il pense que c'est ça le labo. On y est allé une fois? C'est le labo de grand-mère. Elle a pris la place de grand-mère. Ah oui, c'est regarde. Vrai. Ah, c'est Jennifer. C'est Jennifer. Tiens, Jennifer. Je t'ai pris l'autre soir. Mais c'est qui celle-là, on la connaît? Je rigole. Professeur Sonia, vous avez déjà visite. La Lubrix. Tu es une assistante? C'est vrai qu'elle est pas là. Bien vu. Je suis super occupé en fait avec toutes mes recherches, donc j'ai besoin d'aide. Et c'est Jennifer. J'ai récupéré toutes les étoiles vues rassemblées par chez Rose. Elles sont maintenant ici au labo. Et c'est mon assistante qui s'occupe de tout classer. Elle est super efficace. Je suis bien content de pouvoir compter sur elle. Mais non, vous me flattez. Voici donc notre nouveau maître. Nos nouveaux maîtres, Pyrux et Gallius. Enchanté, c'est un véritable honneur. Viens voir, j'ai un truc à te montrer. Ouh. Viens, viens. Je viens. Très sympa celle-là, franchement, comme professeur. Ouais. Enfin, semi-professeur. Tu te souviens de mon détecteur de source d'énergie pour repérer les coins à Dynamax? C'est pas sorcier, il détecte les endroits où il y a de fortes concentrations de Galarion. Et tu sais quoi? Tout à l'heure, quand Jean Machin et Jean Truc étaient là, le détecteur s'est affolé. Mais alors, pardon. Oui! Tu peux les retrouver en suivant la trace grâce au Galarion! C'est incroyable! Il y a un onyx de cristal à droite! C'est tellement absurde, je refuse de m'encombrer dans le cerveau avec ça. Ce sera les clowns et basta. Je suis d'accord. Bref. J'ai placé des détecteurs de sources d'énergie un peu partout dans Galar. Et là. Incroyable. Activation. On dirait une psychopathe. Vous savez, dans le film Black Panther, la Black qui fait tout là. Elle fait penser à elle. Du coup, on doit aller où? Elle nous dit. Ah, rendez-vous au laboratoire de Pokémon en Pacifique. Vous pouvez pas payer taxi volant maintenant. Et vu qu'on a où? Il faut regarder la carte peut-être. Ah. Ah oui, là. Ah oui. Incroyable. Et toi aussi? Ah oui. Ok, c'est à dire qu'il faut qu'on aille là-bas. On fait B. Ouah, je m'attendais pas à ça. Regarde ce pit, ça vient du stade de Greenbury. On va faire chaque stade peut-être. C'est le premier ça, Greenbury. Oh, sûr qu'on va les refaire. Oh, ils sont tous Dynamax et les 6. Allez ouais. Bon, tu me diras qui dit au stade de Greenbury dit Dynamax. Donc c'est normal d'y trouver des Galarion. Mais un pic de cette ampleur, il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que ce sera. Ce sera Eternatus? Bah, on l'a. Ah, voilà, non, tu l'as capturé. Voilà. Et ouais, plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est forcément les deux clowns. Bref, je crois que c'est une mission pour le nouveau maître de Gala. Évidemment. J'ai mis ta carte à jour pour que les pics de Galarion soient affichés. J'ai dit un coup d'œil. Je te laisse, je prends mon petit thé. Alors attends, il y a d'autres pics du coup. Il y a là. Et je pense qu'à chaque fois qu'on battra, à chaque arène, c'est voilà, sûr et certain. Putain. Je lis pas trop vos commentaires parce que j'ai peur que vous me spoiliez là. Ouais. Je suis désolé, mais je vous crois pas. D'ailleurs. J'y crois pas. Peut-être. Là, du coup, je sais pas si Eternatus on le garde, non? On l'enlève, non? Enfin, moi, je. Non, je le garde. Tu le gardes? Par contre, ce que je vais faire. Ouais, attends, fort. Bah, je vais pas le mettre en lead, voilà. Bah, je le garde parce que je le trouve sympa après. Ouais. Renommette. Ah oui! Vous avez raison. Quoi? Faut que je le renomme. Oh non! Ah, c'est bon. Ah oui, c'est vrai. Actinologia! Mais non, pas spoiler. Non, mais j'ai foi en certains d'entre vous. Non, j'ai pas foi en certains d'entre vous, mais j'ai foi en majorité d'entre vous. Oui, voilà. Il y a quand même certains. Et voilà, on sait mais pas. Expliquer bon, la petite minorité qui poste et ça détruit tout. Validé. Alors comment on va l'appeler aussi? Acnologia. En plus il est noir et tout. Oh là là, exceptionnel. Franchement, Acnologia, j'ai cru que quand j'ai vu Acnologia, je pensais que l'arc des dragons dans Fairy Tail ça allait être un truc de malade pour ceux qui connaissent. Et en fait, j'étais tellement déçu. c'était tellement pas dans mes attentes. Voilà. Pour la petite, Moi je vais l'appeler. Comment on pourrait l'appeler? Merci Bivox pour ton efficacité pour. Je suis là pour effacer les spoils. Il y a que toi Bivox comme moto. J'ai cru voir à un moment un Johnny, un truc comme ça. Balancez-moi un pseudo pour Eternatus dans le chat et j'en choisirai un. Merci Deus. Comment voulez-vous qu'Eternatus s'appelle? Allez-y, dites-moi. C'est pas les méchants, eux, c'est juste des guignols. Ouais, c'est ça. Ils sont drôles. Moi, j'aime bien, ils sont drôles. Ils font penser, franchement, à Team Flair dans le délire, un petit peu. De la beauté, de machin. Ils parlent de ça, un peu, de la noblesse. Ce qu'il y a de rare. On est assez proche de XY au final. Hein. Phallus. Jean-Hervé. Eternal. Oh, oui, mais c'est la même chose. Thanos. Erasmus. Exodia. Ah ouais, Exodia. Ouais, y en a un qui a dit Exodia? Non, c'est moi qui a dit. Ah, c'est toi? J'ai vu Exé, je sais pas quoi. J'ai fait putain, Exodia, c'est stylé. Allez, vas-y. Thanos aussi. Dans... Thanos, ouais. Ah non, c'est pas mal. Hein. Ouais, en plus il commence à Eternatus. C'est peut-être de là, non, que ça vient. Allez, c'est peut-être de là, Eternatus.
Un don, je pense. On va voir. C'est dingue qu'il n'y ait plus la notif. Il y a le sang, mais plus la notif. Les gars, de vas-y, façon, tu peux regarder si tu veux. Je veux juste voir au cas où on veut. Tu vois, pour les remercier quand même. Ouais, ouais, ouais. C'est où? C'est là. Tipeee stream, vas-y. Ouais. Ouais, c'est là. Ah oui, il faut. C'est les widgets. Non, alors, non, c'est pas sur celui-là, c'est sur l'autre. Ah, pardon. Voilà, c'est là. Ouais, vas-y. Ah oui! Alors, on va commencer à aller. Non. Non, y'a pas dedans. Ah non. C'est quoi tout ça? C'est avant. Ah oui, c'est avant. 5 décembre 2018. Ok, non, c'est rien. Non, je sais pas pourquoi encore ça continue. Ah, mais attends. Ah non. Le mien, tu pensais? Ouais, mais non, en fait. Non, ça vient de Éther, dieu, et de Thanatos, le dieu de la mort grec. Ouais, il me semble que c'est dans Saint Seiya, non? Il y a un mec qui s'appelle comme ça, Thanatos. C'est le dieu de la mort? Ouais, mais Thanos, du coup, ça a chance, c'est une contraction de ça. Dans Canada. Ouais. Dans le Canada Galaxy, je veux dire. Bon, allons-y. Marvel. Au Greenbury Stadium. Attends, j'ai juste changé. On va pas mettre toujours la même chose. On va mettre. Vous voulez voir Usopp en action? Allons voir Usopp en action. Ouais, peut-être qu'il y aura genre un délire. Genre, il y a des Pokémon Dynamax qui sont en train de péter un câble. Ah ouais. Et voilà. Tu me conseilles de regarder Bleach, Pyrex? Franchement, est-ce que je te dirais non? Ouais. Ah! Tiens, t'es là toi? Bien, bonjour maître. Merci d'avoir fait le déplacement. Ouais, je parle un peu comme un paysan chelou. Mais... La forme quoi de neuf? Ah ouais, t'es relax toi comme maître. C'est pas comme si c'était la panique ici. Je t'explique. J'étais en plein match amical avec notre ami Peterson. Quand soudain, un Pokémon Dynamax est apparu. Oh. Ah, comme les Ultra Chimères. On a déjà lancé l'évacuation du public et du personnel. Tu te rappelles les Ultra Chimères de Ultra Soleil et Ultra Lune? Oh, c'est Sucrène peut-être. Elles apparaissaient. Et on allait les capturer à chaque fois. J'ai fait évacuer tous les Gradanor, c'est bon. Le Pokémon est toujours en plein Dynamax, vous l'avez entendu crier, je pense. Ah, il y en a un Pokémon, ok. Ah ouais. Merci beaucoup pour ton aide, Nabil, on peut toujours compter sur les Challengers. Mais je n'ai même pas dépassé le tournoi des médaillés. On était là, Galius. J'ai coursé les deux mecs chelous jusque dans le stade. Mais quand je suis arrivé, j'ai entendu des hurlements venant des gradins. Donc j'ai lâché les deux illuminés et je suis allé donner un coup de main. Du coup, désolé, je les ai perdus. Non, bon, ça nous étonne plus. Hein. Tu as vu les individus bizarres, tu dis? Je me demande qui c'était. Mais l'urgence immédiate, c'est de s'occuper du Pokémon Dynamax. On peut te demander ton aide pour cette tâche délicate, maître? Bien sûr. Une seconde, je te prends. Parfait, allons sur le terrain de tournoi dans ce cas. Je vais vous aider, je sais bien que c'est pas de sa faute à ce prof Pokémon. Ça sera des raids, peut-être. Mais n'empêche, ça m'énerve de m'être fait voler la vedette comme ça. Oh, ce serait stylé. Tu vas nous donner un coup de main, le petit frère de l'ex-maître? Je sais pas si je vous serais vraiment utile. Je risque de vous gêner plus. Arrête de faire le fragile, là, Tilly. J'en sais rien, mec. Tout ce que je peux te dire, c'est que Tarak hésiterait pas. Il serait déjà au combat. Ou pas, vu qu'il se serait perdu en route. Mais bref, ça ne ferait aucun doute pour lui. Tu viens? Ouais. Allez, putain, arrête. T'es dehors un peu révèche, Peterson cache un cœur d'or à ses grands frères. Vas-y, parlez, rejoignez-les. Oui, putain. Ah, du coup? Non. Ah, j'ai dire des formes. Le fils d'Hadès dans Saint Seiya. Bah voilà. Tu me dis que c'est un lien. Ah ouais. T'as direct quoi. Gros cheveux d'hypothèse. Gigamax ou pas? Ah, c'est secret. Incroyable. Ah merde, mais là, je suis pas trop dans le bon des trucs. Alors attends. En plus, on est deux types. Oh, on a les deux les mêmes. Starter. Attends. La différence, là, vous voyez la différence? C'est stylé. On va faire un petit demi-tour. Ouais. Parce que là, ça va pas le faire. C'est pas mal quand même. Ouais. On a vu si je méga. On va mettre Goku. Et l'immense joueur de foot. Attends, t'as mis direct le feu toi. Okay. Ouais, ouais. Il va le one shot. Non. Bah, je pense. Je parie de combien c'est. Ah non. Mais non, c'est trop puissant. On est 4 dessus. Le one shot, il a one shot l'autre. Le cri de Sucrène. Ah ouais, ça vous a fait rire? J'ai pas réalisé. Alors, est-ce qu'il va s'acculer là? Ah merde. Danse Draco? Eh, le petit choupinou là! Ah, c'est le dragon! Oui! Il a lui! Pomme Drapi! Il est tellement choupinou! Ah, bah du coup, on va voir parce que moi je l'ai pas utilisé. Il paraît que. Que si on utilise pas le Dynamax, bah c'est Tilly qui l'utilise. Ah ouais, coup, je vous offre l'animation pour Tilly. Ah, il a les arcs Tilly. Oula, pourquoi Tilly? Pour Nabil. J'espère qu'il y a la Sarglace par contre. Parce que sinon, ça sert à rien. Ah, c'est stylé. Sinistromat. Ah, il a eu Obscurus. Ténèbres. Ah, Kuba. Oh putain.
Ça ouais, être bah ça va être plus long. C'est pas grave, moi j'ai fait exprès de pas mettre un efficace pour que ça devienne un peu. En plus, on peut boire un pomme de rapide se battre. J'avoue. Mais c'est il a une évolution lui. Bah non, c'est le dernier. C'est le dernier stade ça. Ouais. Mais il est tout petit. Il évolue qu'une fois. Regarde, je fais plus de dégâts que le méga truc à côté, juste derrière moi. On va mettre. Oh le Marito. Mais d'ailleurs, il met pas de bouclier lui. C'est légèrement voilà, différent. Le pomme de rapide il se met à plus 2 et il se fait défoncer. Et non, parce qu'en fait, il y a pas le. Attends. Non, tu vois, tu peux pas perdre en fait contre lui. T'as pas le. Ouais. Il s'accule pas, il y a pas le tourbillon qui s'excite aussi. Bon, lui, il va faire encore. Il fait un truc qui fait moins de dégâts que mon demi-tour avant là. C'est triste qu'il soit si mauvais quand même. Hein. Il faudrait un rival qui est. Un peu plus quoi, un moment. Ouais, bah quand tu regardais à l'ancienne. Bah ouais. Fort, hein. Ouais. Regardez-moi ça. Voilà, regarde. All Might, il a pas le time. Pomme drapi sur épée et dratini. Et Ah si, il y a une. Ah, un pomme drapi, c'est le chez moi. Et ouais. Toi, t'avais donc l'autre. Dratatin. C'est une tartatin. Bah je pense. Oh, trop bien. Toi, une pomme d'api et moi, une tartatin. Ah, mais c'est un Pokémon de Percy. Ouais. Ah, Percy, tu t'en rappelles. Bon, les choses ont l'air de se calmer. Ah, celui-là, c'était celui de Percy. Bah, vu qu'il est plante, je sais pas. J'aime. Vas-y. Ah oui. J'aime pas le Dynamax. J'aime vraiment pas le Dynamax. Et ce n'est pas ce genre d'événement qui va te réconcilier avec mon pauvre. Mais tout de même, ça avait rien de Dynamax normal. Vous ne trouvez pas? Ah. Oui, il n'y avait pas le moins de dresseur en vue et Sucrène n'avait pas l'air maître de ses actions. Bien vu, Abil. En effet, c'est normal, on repense à un poignet Dynamax qu'un Pokémon se transforme. Là, il y avait comme des interférences au niveau de l'harmonie entre nous et nos Pokémon. Ça t'a fait cette impression aussi, Pyrex? Oui. Ouais, ouais. Bien sûr. Donc on est tous d'accord. On est tous d'accord, hein. Donc en soi, il n'a pas les dresseurs en vue, c'est bien mystérieux tout ça. Non, c'est pas. Ah, donc c'est-à-dire que c'est les deux qui. Ils l'ont mis là, les deux. Le personnel du stade va recueillir et soigner ce Pokémon, ne vous en faites pas. Merci à tous, heureusement que vous étiez là. Et surtout, Pyrex, n'hésite pas si tu as besoin d'un coup de main un jour. Si je peux faire quoi que ce soit pour toi, ce sera avec joie. Oh, une version rare. Il y a des versions rares des cartes. Allez, viens, Sucrène, suis-moi. Crène. Ouais, je chausse les Pokémon, moi. Je vous ai pas dit, mais je. Oh! Oh, c'est Jean Fleury pour tous les deux là. Donc vas-y. Ok. Eh bien, ce sont déjà fini du Dynamax, mais il est à côté l'autre, c'est sûr. Ce fut bref. Ah. Ouais, c'est ça. J'ajouterais même que ce fut succinct. Je crois que nous avons le maître à remercier pour cette interruption intempestive. Il rappelle un peu les deux commandos là, dans Ultra Soleil, Ultra Lune. Ils étaient juste à côté, on les a même pas vus. Les deux bolos. Les deux bolos. Je savais bien que vous étiez dans le coin. Rendez-nous les perruillés en vitesse. On a même pas fait attention si c'était à droite juste avant. Bon. Ouais, j'avoue, mais je crois pas. Hein. Non, en fait, ouais. Pardon, mais cela ne vous appartient point, que je sache. Quand bien même serait-ce à vous, ne dit-on pas voler c'est voler, rendre c'est capituler? Non. Vous commencez à me gonfler tous les deux, hein. Ramenez-vous qu'on s'explique. D'où ils sortent? Je croyais que les spectateurs et le personnel avaient été évacués. Comme si nous allions nous plier aux règles appliquées au commun des mortels. Eh oui, nous sommes des célébrités, nous. Nous avons droit au traitement VIP. C'est quoi leur délire? Mais qui êtes-vous? Le gueux? Votre coupe de cheveux est un affront visuel, alors que lui... J'ajouterais même mon aîné que ce noir et blanc, c'est extrêmement basique. Vous croyez vraiment que vous avez des leçons à me donner en matière de style? Genre, je vais vous écouter, la bave de l'artisto. L'aristo. L'aristo, pardon. N'atteint pas le noble dresseur, loser. Je crois que notre petite expérience a bien fonctionné, mon puiné. J'ajouterais même que c'est un succès. Tentons avec un Pokémon plus fort la prochaine fois. Oh. Oui, et nous révélerons la véritable nature de Zacian et Zamazenta. Genre, ils auraient un Dark Side. Putain. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec cette histoire? Rah, ils m'énervent, je fige rien. Non, mais qu'ils ont à voir, mais regarde. C'est intéressant leur truc. Hein. Eh Nabil, t'as des yeux ou pas? Regarde leur coupe de cheveux, s'il te plaît, leur couleur. Maître Oni, nous allons libérer une vague de Dynamax sur tout Galar. Vous pouvez toujours essayer de nous arrêter si ça vous chante, mais jamais vous ne rattraperez nos augustes postérieurs. J'ajouterai même nos augustes et célèbres postérieurs. Adieu la plèbe, après nous le déluge. Venez ici tout de suite, c'est à cause de vous, tout ce cirque, vous allez me le payer. C'est incroyable, je trouve. Du calme, Nabil, reste ici, arrête de hurler aussi, ça sert à rien. Mais il s'enfuit. Et c'est un piège, réfléchis, petite tête. Faut jamais se lancer tête baissée comme un moumouflon, jamais. Mais, ok, t'as raison. Bien, donc on se calme, on respire et on réfléchit. Hurlu et berlu, là. Vu qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de nous raconter la moitié de leur plan. On sait qu'ils sont responsables du Dynamax de Sucrène. Et qu'ils comptent bien continuer. Comme si on allait les laisser faire. Ouais, on verra plus tard pour épée bouclier. Non, pour l'épée rouillée, oui, pas. Oui, à tous les deux, de toute façon. Gaius, Pyrux et Peterson, il faut rattraper les deux tocards.
Mais je les aime bien les deux là. Ils font penser à Ultra Salé et Ultra Lune, les deux, ouais, mais ils ont plus de personnalité quand même. Que ouais. Ils étaient trop vite, je trouve, les deux. Les deux ouais, c'est vrai. C'est comme ils s'appelaient déjà Putain. Je sais plus. Ah, te voilà, Pyrrhus, c'est la cata. Vu que le pic de Galarian est retombé à Gainbury, je pensais que tout était rentré dans l'ordre. Bah oui. Mais en fait, non, les capteurs révèlent de nouveaux pics au stade de Skiffordd et d'Everton Bay. Ah, on préfère. D'ailleurs, c'était quoi le problème au stade de Greenbury? Dramatisé au maximum. Quoi, un Pokémon Max s'est déchaîné dans le stade? C'était encore un coup des deux clowns là. Tu te moques de moi ou quoi? Je vois bien que ça n'est pas tout détruit. Ah, j'ai exagéré. Je vois bien que le stade n'est pas détruit quand même. C'est ça. Sonia! Nabil Peterson, qu'est-ce que vous fichez ici encore? Surtout toi, Peterson, tu es à Smashing avec ta sœur. Eh ben non, je suis plus champion d'arène, j'ai bien le droit d'aller où je veux. Ah, ça sort, c'est sa sœur peut-être qui est. Mais attends. Ah ouais, donc on va la foutre. Mais non, y'a pas Dynamax là. Bah oui, aura, elle va dire qu'elle est dans. Ouais. Y'a d'autres Pokémon Dynamax qui se déchaînent? Oui, enfin je crois, j'ai relevé semblable à ceux que j'avais eu pour Greenbury. Quoi? Mais alors Rosemary est en danger? Ouais, là-bas. Non, c'est bon, c'est juste à Skiffordd et Motorbike, tout est calme à Smashing, pour l'instant. Ah! Ah, mais sinon là-bas y'a rien parce qu'y'a pas de oui, Dynamax. Mais peut-être eux ils amènent le. Ah ouais, bah non, c'est pour ça que je suis là. On peut pas rester les bras croisés s'il y a des Pokémon Dynamax qui se déchaînent, pas vrai, Galius et Pyrrhus? Ouais, suivant les deux illuminés. C'est bien beau toute cette motivation, mais sait-on seulement où ils sont partis? Je pense que je peux vous aider à traquer les deux clowns. Je vais farfouiller sur les réseaux sociaux histoire de voir si Kika les a pas repérés. Bref, on laisse les recherches à Sonia, c'est bien ça? On va s'occuper de calmer le jeu dans les autres stades. Mais il me semblait qu'il fallait suivre le détecteur. Mais ensuite, il regarde carte et je pense qu'il y a les trucs. Alors, bon, de toute façon, il va falloir faire les deux, autant les faire en même temps, je pense. Hop, tu vois? Ouais. Bon, allons-y. Tu voulais faire quoi? Bah, motorbike, mais bon, on va pas. Non, on fait dans l'ordre. Ouais, on fait dans l'ordre, c'est mieux. Mais ça aurait été marrant d'avoir juste un Pokémon différent, épée, bouclier. Peut-être qu'on aura, bah, l'aura pour le stade de Spectre. Ah oui, exact. C'est vrai. Mais M2. Et pour le stade, si ça continue tout le long comme ça. C'est vrai. À voir. Alors ça va être qui? Oh, j'ai oublié qu'elle était pas mal celle-là. Non, approchez pas. C'est dangereux. On sait, on vient aider. Les spectateurs et le personnel sont à l'abri, c'est bon? Oui, nous venons tout juste de terminer l'évacuation. Vous savez ce qui se passe alors? Et vous avez fait le déplacement pour aider tous ensemble? Ça alors. Si on m'avait dit qu'un jour tu deviendrais sociable, Peterson, tu n'y aurais pas cru. Oh, ça va, hein. C'est vrai qu'il est avec nous là. On veut t'aider. Désolé, je voulais pas paraître ingrate, vous me moquez, vous me retirez une épine du pied. Ce Pokémon Dynamax est redoutable, je ne suis pas convaincu d'être de taille. Toute aide est plus que bienvenue. Il n'y a plus de temps à perdre, nous avons un Pokémon Dynamax à affronter. Yes. Ah, on n'a pas regardé à droite. Il n'y a pas lui cri. Ah merde, mais on n'a pas pu changer, j'ai pas changé de Poké. Ouais. Oh Léviathan. Oh, j'ai pas d'attaque électrique. Moi non plus. Attends, est-ce qu'on laisse encore Nabil Dynamaxi ou pas? Ah ouais, merde, c'est trop de temps, je suis dans la chèvreté là, attends. Ah, il nous intimide quand même. Non, mais en vrai, je vais le laisser Dynamaxer cette fois-ci. Parce que je peux rien faire là. Pas un truc favorable, ouais. On va faire demi-tour en. Mais non, on peut pas de toute façon. Non, moi je fais demi-tour, je m'en fiche. Ah, il commence direct. Ah oui, il est plus rapide. Oh putain, toi de l'eau, moi de la roche. Eh ben il m'a défoncé. Je voulais faire demi-tour. Il a coup critique, ça veut dire. Ouais. Ah le coup critique, ouais. Ouais. Et il a mis la tempête. Bon allez, du coup les gars, c'est mon plus gros résistance, ma plus grosse résistance. J'espère qu'il a pas crogé. Que ton chat s'appelle Yoruchi. Non, il s'appelle Tensa. Mon chat noir. Et Aineko, le chat tigré. Ah, Tangrowth, je suis pas mal ça. Et du coup, c'est bien pour Tangamore. Enfin, moi, pour la tempête, Tangamore a boost. Bah écoutez, on va amener. Tangrowth battant, comme ça, il enlève la. Il enlève la speed. Regarde, comme je suis gentil, je te laisse encore faire ton méga évolution. Et moi, ça va être rythmique. Du coup. Et maintenant, capable d'utiliser Dynamax. Ok. Ah, Hydraco Flush. Bon, est-ce qu'il va encore faire Sinistromat? Ah non, il a pas Sinistromat. Ouh là là. Ah oui, c'est vrai. Bon, il va faire tambour battant, j'imagine. Enfin, l'attaque plante. Moi, je vais faire ça, ouais. Ouais. Pour l'enlever la vitesse. Bon, avec tout ça, parce que chèvre C, il va faire deux, regarde. Oh là là. Je suis sûr que je fais plus avec mon truc, hein. On va aller voir. Moi aussi, je fais plus, c'est sûr. Tambour battant. Regarde. Ah ouais. Incroyable.
Et en plus, ouais, tu baisses. Du coup, il doit faire la même chose, mais en max. Ah oui, t'as le max. Hein, tu fais que ça? Ouais. Peut-être, je sais pas. Je pense qu'il a 0 EV en attaque, 0 IV en attaque. Nabil, c'est jusqu'au bout, il est malchanceux. Nabil, il est, moi, il a 0 EV partout. Il est partout. 0 EV, 0 IV. Ouais. Ah, il a même fait Aquabrèche. Non mais Donna, réveille-toi. Oh, ma chouille, mais genre. Allez, tchuss. J'avoue, un Pokémon Dynamax Shiny, c'est trop stylé. Ouais, j'avoue. On l'a pas encore rencontré, nous. Non. Merci, grâce à vous, personne n'a été blessé et nous avons pu calmer le jeu. Je vais garder ce Pokémon ici et le soigner. Dis, Pyrux. Ah, je crois que vous voulez me faire un petit date. Sache que si un jour tu as besoin de mon aide, ah, c'est un date pour moi, ça. Je suis encore toujours présente. Il dit toujours la même chose. Ah, c'est ça que je veux regarder la carte. Peut-être qu'on pourra l'utiliser. Elle est brillante, peut-être. Ah, pour la tour de combat, on peut les faire équipe avec eux. Ah. Un duo, un truc comme ça, je sais pas. Attends. Carte de ligue. Il est soigné. Tenue de soirée. Attends, on a vu un date. Hein. Elle est non seulement championne d'arène, mais elle a aussi beaucoup de succès en tant que mannequin. Sous le projecteur et sur le champ de bataille, on ne la reconnaît pas. En effet, son attitude diffère tant qu'elle semble posséder deux personnalités. Un accès de rage lors de son élimination dès le premier tour du tournoi des champions aurait pu nuire à sa réputation de top modèle. Elle a réussi à se contenir en affichant un sourire radieux pour ses fans. Il semblerait toutefois que les choses aient été différentes une fois de retour à son arène. Oh, elle est trop belle. Percy avec son mouton. Même si sa tendance à s'amuser pendant les combats ne l'aide pas à enrichir son palmarès de dresseur, Percy n'a pas à rougir de sa force physique. Qui lui permet notamment de faire rouler sans effort les bottes de paille de 350 kg utilisées pendant les défis des arènes. Enjouées, les moumoutons en roule de concert et il n'est pas rare qu'un d'entre eux parvienne à s'échapper du stade. S'ensuit une course-poursuite cocasse où toute la ville court après Percy et Voltoutou qui tente de rattraper le moumouton en cavale. Ouais, lui c'est un rigolo. Ouais. Elle, plus sérieuse. Hein. Ouais, ouais, elle, rigole pas. Ok. Oh, Pokéball. On verra après pour le numéro. Ensuite, il redonne. Non. Il l'a fait. Chaque jour. La caméra est un peu floue si jamais. Mais non. Bah non. Attends. Non, bah non. Prosper. Bah on se voit que c'est pas flou. Non. Vous dites n'importe quoi. Du coup, on va aller à... Ah mais c'est Bbox qui a dit ça. Oui, c'est pour ça. J'ai lu ce message avec... sériosité. Sérieux, pardon. Je parle plus français, moi. Si Rosemary avait aussi une tenue de soirée Perux en chaleur extrême. J'avoue que c'est ma petite... Bon, vas-y, je vais le dire. C'est ma petite coquine à moi. C'est une petite coquine. Je dois vous avouer. Non, c'est pas flou, hein. Non, peut-être qu'il y a eu un moment où la caméra a dû. Ouais, peut-être. Faire un petit côté flou. Ouais, je mets Rosemary avant quand même Donna, mais Donna est pas mal, hein. Je vous avoue. Ouais, ouais. Mais bah, Donna a l'habitude. Rosemary, c'est un peu, tu vois, genre. Ouais, mais moi j'aime aller apprendre des nouvelles choses. Ouais. Hein. Ouais. Ça le temps, oui. T'as pas le temps. Attends, chaleur, c'est là ou c'est pas? C'est pour ça qu'il a perdu ses cheveux. C'est quoi le rapport? Maître. Y'a pas de rapport. Oh Nabi. Ah. Attends, c'est Kabou. Vous êtes jaloux parce que je suis beau gosse avec. C'est tout. Attends, je vais le faire à la japonaise. Sensei. Oh Nabi, le Des. Petel son Des. Sont là aussi. Eh bonjour Monsieur Kabou. Kabu. Kabu. Vous vous souvenez de moi? C'est gentil. Nandato, t'aimais. Mais non, c'est bien normal. Je me souviens de tous les challengers qui viennent me voir et particulièrement de ceux qui réussissent haut la main le défi des arènes. Ouais, bon, vous voulez pas attendre que tout soit réglé pour vous jeter des fleurs, hein. Y a plus urgent. Hein. C'est vrai. Vous nous aurez jamais, mais en ce moment dans mon stade... Ouais, on sait, Pokémon, Dynamax, blabla, je te m'en viens aider. Incroyable. Je dois dire que vous êtes tombé à pic face à un adversaire aussi redoutable que lui. Attends, si c'est Pyrax, il va nous falloir jouer collectif. En formation compagnon. Non, c'est pas Pyrax. Il y est dans le jeu? Non, je crois que c'est justement, il y est pas. Nous avons un match à gagner, Des. Ah mais ils étaient plus à côté du coup. Attends, qu'est-ce que ça peut être comme de stylé? Fenard? Non, on l'a déjà eu. Arcanin? Non. Un truc qu'on n'a pas vu. Charthor? Charthor! Putain le bon! Cool! Je savais pas les gars, j'ai des wobbles. J'ai pensé à Tricker et son shiny. Ah là pour une fois je suis bon. Putain, j'ai encore oublié de changer. Ah bah moi j'ai changé parce qu'il est KO. J'ai oublié de me soigner. C'est pas grave. Et du coup on peut mettre la pluie normalement. Dynamax et puis éboulement. Dynamax et puis Hydromax. Là, on va, je pense, one shot les potes. On a pas de temps. Non, je sais pas. Parce qu'en fait, il y a quand même la sécheresse avant que je pose la pluie. Ah oui, c'est vrai. Mais le prochain tour, par contre, c'est fini. Ouais. Peu qui. Pyrux qui balance. Ouais, ouais, c'est vrai.
c'est la plus canon Rose Barrett. D'accord, Lilo. Hein. Oui, d'accord. Vous êtes obligé d'avoir l'abonnement pour rejoindre. Mais après, j'ai trouvé un site où les abonnements, je les ai trouvés moins chers à 50%. Donc, si vous avez envie, vous me dites dans les commentaires après, je vous donne le site. Et avec le soleil, ça fait ça quand même. Et là. Ça fait combien? Un quart. Un quart, ça va. Sous le soleil, c'est fort. Ah ouais, puis là, j'ai. Oh là 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 là. C'est vrai que j'ai boosté. Exécution. Charter, c'est quand même moins impressionnant que Yator, hein, je dois t'avouer. En un tour, il a failli le faire. Pyromax. Et là, il va nous faire quoi? Pyromax. Il part du coup. Ah, y'a torche! Ça marche pas! Qu'il est nul! Quel est fou! Et bien que tu en penses quoi de la championne de type combat? Faiza, ouais, je la trouve sympa. Mais ça s'arrête là. On serait potes. Elle est un peu trop. Trop masculine à mon goût, mais elle est sympa sinon. Si c'est ça que vous voulez savoir comme, comme avis. Je préfère celle de bouclier, la jeune. La type glace, c'était? Ah ouais? C'est sympa. Ouais, ça va, c'est une maman. Oui, voilà. J'aime bien maman, moi. La bise. Non, c'est Fidron qui aime bien les mamans. Je reviens. J'ai besoin de jus. Vous savez ce que c'est, ça? C'est du limonche. Ça, c'était avant-hier. C'est ça. Après. Attends, je bois, j'arrive. Salut, moi je viens de gagner une Pokémon. Ben, félicitations, UNT Lana. Nous avons évité le pire, Subarashi. Je vais prendre soin de ce pauvre Pokémon jusqu'à ce qu'il soit de nouveau sur pied. Pilux-sama, c'est toujours avec un plaisir de faire équipe avec toi. Si tu as besoin d'aide un jour, n'hésite pas. Allez, gâteau, gozaimasu. Dis-moi que c'est un samouraï de l'époque antique. Je suppose que le devoir vous appelle. Je vous laisse filer. Merci encore. Allez, gâteau, gozaimasu. Domo, arigato. Domo, arigato. Moti dring, moti dring. Ah oui, c'est ça. Dringo, dringo, san. Ouais, on est parti au monde japonais. Galius et Pyrux, il y a votre moti smart qui sonne. Pyrux, au secours, les deux clowns ont débarqué au labo. Oh merde. Quoi, Sonia, ça va? Il réclame les étoiles, veut, j'arrive à la tenir à distance pour l'instant, mais ça va pas durer, mais elle a même pas de boquette. Franchement, ah oui, il a un chien, je commence à flipper, venez vite. Tut. Ah, ça ils change. En ont appris les étoiles, veut aussi. Peut-être qu'on fait que les trois premiers badges. Allons sauver Sonia et récupérer les perrouillés. Ah oui, on fait que les trois premiers. Moi, je pensais qu'on allait faire plus. Attends, ah oui, on a récupéré le bouclier et toi l'épée. Et toi, tu dois récupérer le bouclier et moi l'épée maintenant. C'est ça. Enfin, ouais. Il faut aller au labo, allons au labo. Alors, attends, je voulais juste lire la carte de Kaboussa. Ah oui. Kaboussa. Moi, je vais aller soigner en attendant. Ouais, sympa. Qu'est-ce qu'il dit? Comment se déroulent vos combats ces derniers temps? Je suis jeune et je ne me prends pas la tête. Tant que la flamme de combat brûle en moi, je frappe. Je vais droit au but, mais depuis peu, je n'arrive plus à gagner. Alors je commence à utiliser feu follet. C'est ce qu'a fait. Ah, c'est pas vrai. Car oui, il faut étudier les capacités, talents et objets des Pokémon pour progresser. Et j'estime que tous les dresseurs devront en faire autant. Testez des combinaisons et vous trouverez les moyens de venir à bout de tous les obstacles. C'était Kabou. Ouais, c'est Kabou qui. C'est le même genre de type qu'utilisons de folie, ultrason et compagnie, quoi. Qui a bien régressé. Allez, feu follet. Allez, feu follet. Allez, feu follet. Ouais, c'est ça. Il est déjà brûlé. Non, mais feu follet. Je veux être sûr. Toi, il anticipe à ton tas le soir. Bon, alors, du coup, on va battre encore ces deux équipes. On va retourner au labo. Bah, Hisoka, je trouve que. On va le mettre en avant. Hisoka et Yadiman. Ah. Mais Sonia abandonne vite. C'était quoi ses premiers Pokémon à eux? C'était Acier, c'était de toute ouais, façon. Ouais, c'était Acier. Il avait pas tout de suite. Je sais même plus. Ah, si, ouais, il avait qu'à l'artichaut, donc c'est bon. Ah oui. Donc on va voler. Pas l'artichaut. Moi je suis encore loin. Non, c'est même pas là. Je vais. Je suis fatigué moi. Kaius, tu utilises quoi pour filmer ton écran? Je voudrais comme toi, je te kiffe, je change pas. Merci. OBS pour le logiciel et l'Elgato pour filmer la Switch. On utilise tous les deux la même chose de toute façon. Ouais, il y a encore cette musique un peu de. D'Ultra Commando. Hein. Les étoiles veuves rassemblées par le président chez Rose sont ici, nous le savons. Notre instinct supérieur nous le dit. Moi, je suis un peu déçu, j'aurais préféré genre des héros, les descendants des héros un peu, tu sais, genre plus guerriers en fait, ils sont passés du mauvais côté quoi. Ouais. J'ajouterais même que c'est notre glorieux destin qui nous guide. Instinct? Destin? Mais qu'est-ce que vous racontez? Ça n'a aucun rapport avec les étoiles veuves. Je ne sais pas comment vous êtes au courant, mais jamais je vous les donnerai. Hein. Regarde-les!
prennent du thé. Regarde, c'est Poltergeist. Ah ouais. Vas-y, fais la grève. Absolument, vous n'avez aucune idée de la véritable valeur de ces étoiles vœux. Je parie que vous ne sauriez pas quoi en faire. Que faire face à un tel manque de coopération, mon puiné? Nous n'avons pas 36 solutions, mon aîné. C'est bien pénible d'en arriver là, mais ma foi. Oh, oh, oh. Je sais pas comment ça. Ah, c'est vous qui êtes pénible. Nabil? Vous forcez de pauvres Pokémon à se dynamaxer. Espèce dite ou sans cœur, vous me le paierez. Et vous allez nous rendre les perrouillés aussi pendant que vous y êtes. On va les rebattre, quoi. Palsambleu, je m'attends certes à voir le maître débarquer en fanfare, mais que vient-il faire ici, ce faquin? Si mes souverains sont... Mes souvenirs, pardon, sont exacts, il a lamentablement perdu contre nous. Peut-être qu'il a enfin compris sa place dans la société et qu'il a pris goût à courber les chines devant meilleur que lui. Mais non, je... Oh, les écoute pas, tu vois bien qu'il raconte n'importe quoi. C'est clair. L'autre bouffon t'a peut-être battu une fois, mais t'as pas dit ton dernier mot. Ok. Allez, courage, Nabil. Vas-y. Merci, Pyrrhus et Gallius. Assez rigolé, Jean Tarte. Jean Flop, on va vous dégager d'ici direct. Jean Flop. Jean Tarte. Mon aîné, comment hostile. Oh, les gredins, ils vont payer pour cette infamie. J'ajouterais même qu'ils vont payer et au centuple. Ah bah, on va les défoncer. Cette fois-ci. Cette fois-ci, nos équipes sont bien plus redoutables. Ah, on refait. Mais un duo. Ah, un duo. Ouais. Ça, c'est stylé. Au moins, c'est comme ça qu'il gagne, en fait, Nabil. Il a pas le choix, sinon. Oh, yes. C'est le même qu'avant, en fait. Oui. Et moi, mais c'est... du coup, tu peux voir les deux et moi, je peux voir l'autre aussi. Ah, oui. Alors. Vas-y, moi, je vais faire ça. Sur Archéodong. Archéodong, dong, dong. Oi, oi, oi. Oh là là, les sarmoyes. Riche, riche, ah, c'est bon. Ah non, sur le codon, oui. Ouais, parce que mon mouton il peut rien faire. J'anticipe déjà. Aïe aïe aïe, je reballe là, ça va. Oh, ça va. Change côté. Ah non, c'est pour le duo ça. Ah, inversant les inverti les effets affectant chaque côté du terrain. Ok. Non, je crois. On va faire ça parce que je pense qu'il va faire une attaque à priorité. Ça fait rien. Le samouraï, je pense. Il a fait escarmouche ? Non, il a fait un coup bas peut-être. Ah, mais il est plus rapide donc il le fait switcher. Merde, j'aurais pu rester. Je peux pas deviner. Ah, non, je peux pas deviner parce qu'il fait un peu. Il pourrait faire n'importe quoi donc. Oui. À ma droite. Dimocles. On va faire demi-tour. Ah, bien, bien, wesh. Il a coup bas en effet. Il a quoi ? Coup bas, ouais. Samouraï. Mais mec, fais l'autre. Même Mouflant avec Damoclès qui est stabé, il fait rien. Voilà, en même temps, il faudrait qu'il switch. Mais bon, je vais le tuer, je pense, à le plus vite. Ça va plus vite. Pour qu'il switch. Mais sur les Argus, il va faire un inverse les PDR, par exemple. C'est trop bien. Ah ouais, c'est bien, ouais. L'âme sainte. Voilà, vas-y, vas-y, tue-le, voilà, c'est bien. Voilà, ciao. Oh non, bon, il fera Damoclès. Damoclès. Damoclès, c'est... Vas-y, on va ça rentre allez. On se fait lui pour l'instant. Bélier, ah, il fait. Glace. La Damoclès, il fait bélier, il est sérieux ou quoi? Il y avait 2 PV, il lui restait. Encore Vaius, il est après. Les gars, il y en a qui suivent un peu le foot. Ils les ont fait quoi, la Juventus, là? Merci. Ils ont perdu, rassurez-moi. Moi, je vais faire. Laser Glass. Sur Hexadron. Putain, close combat. 2-2, yes. L'Inter, ils font quoi, l'Inter? Merde, Zangetsu est mort. Il vient de commencer là, il y a 10 minutes. Parfait, 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 faut qu'on gagne dans nous. Si vous pouvez me tenir au courant pour l'Inter, ça serait super. Merci d'avance. Merde, attends, il m'a tué un peu plus. Allez, laser glace. Ah, ça tue. Ouais, ça tue. Ah bah oui, j'ai surf spec. Attends. C'est Poltergeist, pas Poltergeist. Poltergeist. Ah, pas, tu penses que ça dit Poltergeist. Je dis Poltergeist, ok. Poltergeist, geste. Pourquoi? Je comprends pas en fait. La fin de ce Pokémon. La fin du nom de ce Pokémon, je comprends pas. Bon, je vais aussi faire mal à mon Corvaius. Qui dit clic, va. Ok, aussi. Merci les potes. Tenez-moi au courant. Ouais, en fait, laser glace, c'était pas du tout bon temps. Nous, on s'en bat les reins. On tue tout le monde. Corvaius, idem. Allez, Bank Sonic. Qui apprend ça? Ah merde, c'est du spé ça. Ouais, ouais. Dommage. Abri. Oh, Abri, c'est super stylé, j'avais pas fait attention tout à l'heure. Ça fait un. Comme ça? Ouais.
Un rapace. Allez, sur samouraï. Ah, quand même. Quand même. Oh, quoi? Putain, il fait même pas le chaos. C'est bon, samouraï. Samouraï des. Ouais, mais bon. Quand même. Quand même, Corvaeus. Scalproie. Yes. Bon, là, ça dégage. Ça dégage sec, ça. Hop. Oh non, l'enfoiré. Claire fou. Ah, c'est comme ça, Abri, ok. C'est pas exactement comme je pense. Ouais, bon, bah, adios. Bon, moi, j'ai tué. Le problème, c'est que j'ai tué mes propres. Mon propre pote. C'est Paul T. Ça vient de Paul Tergest. Et c'est quoi, Paul Tergest? Il n'y a pas deux fois aussi d'XP aussi sur Corvaeus, non? Non. Ok. Ah là là, il fait mal. Il peut avoir Kuba. Je pense pas qu'il fait Kuba. Oh là là, les deux, les Argus. Ah, Paul T. Geist. Bah, c'est Xavier que j'ai alors. Paul T. Geist. Bah, c'est juste alors. C'est quoi Geist? Ça veut dire Ghost. Ah, c'est un esprit. Poltergeist est un genre d'esprit, Gaius. Ah, ah d'accord. Ah oui, pas. C'est vrai, c'est un autre nom pour dire fantôme. Mmh, c'est ça? Ah, okay. C'est des objets possédés, genre. Ah, ok, non, c'est un truc spécifique aux objets. Ok. Oh putain. Excusez-nous. Ok, d'accord. Oui, j'ai mal prononcé. Ah, du coup, c'est bien. Ah, moi, c'est beaucoup rythmique maintenant. Mais j'ai au troisième aussi. Moi, j'ai tué les siens parce que ça allait plus vite. Ah, tu les as tués? Bah, je faisais surf à chaque fois que je tuais celui d'à côté. Ah oui. Putain, souplesse. Ah, mais le pauvre, il est pas. Ah, escarmouche. Il est pas né avec les bonnes attaques. Hein. Et non. Il a pris Pokémon. Ah, tu l'as défoncé. Non, il s'est fait défoncer tout seul. Abusé. Il a une défense spéciale, pas ouf. Oui, Choice Pack. Choice Pack les Argus, c'est bot, ça. Ça va, ça. Ouais. Ouais, tête de fer. N'hésitez pas, hein, une nouvelle fois. Si... Oh mon puiné, pardonne ma faiblesse. Ah oui, quand même. Ah oui, je suis à moins de 2, c'est vrai. Ah, ils sont riches. Ah oui, c'est vrai. Ils sont bien riches. Allez, on dit, on va faire. On dit jamais 203. Parce que j'ai envie d'un combat contre eux, mais avec la Dynamax possible, ça serait. Ah ouais. Non, c'est bien Polter. Geist, avec Geist enfin, ça vient de Poltergeist, était, il y a même le film Poltergeist de Spielberg. Je parle pas du remake, il est pas ouf, ouf. Tu sais, je vois vraiment les gars, vraiment pro. Merci Lord R pour cette infoculture. Tambour battant. Nul. Il est tellement nul. J'avoue, il aurait pu faire sabotage. Il s'est placé ou quoi? Ah, non, ah putain, surprise. C'est vrai qu'il a. Infiltration? Non, annule garde. Ah oui! Ouais, du coup, il m'a touché. Bien joué, bien joué. Mais ça n'a pas suffi. On a gagné, ouais! Quoi? Comment nos équipes ont-elles pu perdre malgré leur pedigree immaculé? Ah merde, je pense que ça avait fini. Non, il en reste encore un. C'est pour ça que je me suis perdu. Et toi, tu dégages. J'avais lu la première fois, je me suis dit, c'est bon. Waouh, on va y aller escarmouche en même temps! Ah, mais du coup, attends. Il reste combien de PV? Pas beaucoup. Souplesse. Ah, bah c'est bon, il va le mettre KO. Ouf. J'ai cru pas, hein. Ouais, j'ai cru moi aussi. Franchement, c'est intéressant pour l'instant le post-game. Ouais. Oh la tête. Mon puiné, pardonne ma faiblesse. Putain, si on avait utilisé la pièce rune, 48 000. La ligue par rapport à Ultra Soleil, Ultra Lune, j'ai trouvé Tarak plus fort de tout Ultra Soleil, Ultra Lune, ça sent. Après, la ligue en elle-même, attends, je me rappelle même plus Ultra Soleil, Ultra Lune, mais je trouve qu'elle est. Ouais, non, elle était facile quand même. Elle était facile celle d'Ultra Soleil, mais elle n'était pas non plus si dure que ça là actuellement parce qu'on était bien préparé. Oui, mais oui. Tarak en lui-même, je le trouve vraiment un des meilleurs. Ouais, un peu comme Peter. Peter, je trouve qu'il avait un peu la. Ah, Peter dans la deuxième gêne. Oui. Ouais. Puis ouais, voilà, il a quand même une sacrée team. Hein. Ouais. Plébéiens et des loyaux en sus. Vous n'avez donc point d'honneur, nous attaquer à deux. Bah deux toi. Non mais vous étiez deux aussi, hein, cette mauvaise foi, j'hallucine. Assez joué, rendez-nous les perrouillés, arrêtez de dynamaxer les Pokémon à tort et à travers. Bon, vas-y. Oh, bien, j'espère que je ne choisis pas mal mon moment. Et j'espère également que vous m'excuserez de vous interrompre aussi cavalièrement. Oh, attention, Jennifer. Ne les approche pas, ils sont dangereux. Jennifer. Mais non, qu'est-ce que... Oh là là! Retournement de situation! Bravo à toi, Fidel Sbir! Ton infiltration était parfaite! As-tu récupéré toutes les étoiles vœux? Oui, grâce à vous, messieurs, vous avez habilement su détourner l'attention. Matt! Mais Jennifer! Non, arrête, toutes les étoiles!
Vas-y. Je crois que là, nous nous sommes fait avoir dans les grandes largeurs. Pas mal, pas mal. Et voilà, qui sont la tarte et le flop maintenant? Pas nous, clairement, c'est vous. Le combat n'était qu'une ruse, nous avions déjà gagné avant de lancer la moindre Pokéball. Adieu, après nous, le déluge. Mais attends, elle la connaît depuis quand? Mais on l'a... On revenez a... Comment attends. Tu peux me faire ça? Elle a donné des... Jennifer, ce n'est pas de gaieté de cœur, des mauvais trucs, non? Depuis le début, tu m'as menti. Ouais, depuis le début, elle était là. Je n'ai pas le choix, tout le plan reposait sur ma duplicité. C'est pour le bien de Galar, nous devons réinstaller les héritiers des rois sur le trône. Ok, ils veulent une, oh, une monarchie bien, royaliste. Voilà, c'est ça. On revient dans le monde passé. Attends, on va prendre Sonia quand même. Bah oui, il faut aller la voir. Si tu veux, je viens te prendre un thé avec toi. Les quoi plantes. Pourquoi il parle des plantes? Non, t'as quelqu'un à côté. C'est Red. Elle s'est transformée en Red. Attends, mais attends. Je ne suis pas impressionné par ces soigneurs. Pour parler à ça, ils sont forts. Pour le reste, j'attends de voir. Et lui? En fait, ils travaillaient en équipe, ils avaient même infiltré le labo de Sonia. Putain, depuis le début, en fait. C'est Jennifer, franchement. Mmh. Inter 1-0 ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est vrai, hein ? Vous ne dites pas des conneries, hein ? Ouais, je vais aller vérifier. Bon, ça va. Alors. Oui. Ah, tu pars. Ah, bah c'est bon, là, elle a changé, hein, t'as bizarrement. Dit quoi, toi ? Parce qu'ils ont dit monarchie absolue, ça disait quoi ? Ah, monarchie royaliste. Royaliste ? Bah oui, ils vont mettre des rois. Voilà. Attendez, où vous allez tous ? Bah, tu boutais. Sans rien dire. Bah tu dois être un peu déprimé, non? Ah, voilà. On voulait te laisser un peu en paix. Ça a dû te faire un choc, on comprend que tu sois triste, tu sais. Tu peux pleurer. Non mais je suis pas déprimé, je suis en colère. Je me suis fait avoir comme une bleue, quoi. Je vais pas passer par trois plans bas. Tu vois, elle c'est pas Tilly, elle c'est une femme qui se bat. Je vais pas passer trois plans bas, m'apitoyer sur mon sort. Ça m'avancera rien. Les trois clowns sont partis. Ah ouais, il y a trois maintenant, avec toutes les étoiles. Peut-être qu'on va se battre contre Jennifer. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec, mais ça ne se présage rien dedans. Là, t'as ok, marque en plus, parfait. La déprime, ça attendra. Ok. Oh, ok, cool. Il y a beaucoup de dialogue quand même. Hé, hey, elle manque pas de cran, la prof. Ouais, elle est trop stylée. Je suis fier de toi, tu as bien mûri, ma petite. Ne te laisse pas décontenancer par l'adversité. Grand-mère. Le Dynamax ne révèle toute sa puissance que lorsqu'un lien de confiance unit un Pokémon à son dresseur, ce qui n'est pas le cas ici. Les deux Igoto doivent se contenter d'extraire les Galarions des étoiles vœux pour forcer le Dynamax. C'est affreux. Je vois que tu en as dans la cervelle, jeune maître. Le vol des étoiles vœux, ce n'est que le début. On a changé de dialogue. Il faut s'attendre à de bien plus de terribles dégâts. Mais je comprends pas, c'est quoi leur but? Ça leur porte quoi de forcer des Pokémon à se dynamaxer? Ils ont dit qu'ils voulaient révéler la vraie nature de Zacian et de Zamazenta. Ouais, et aussi mon assistante, enfin mon ex-assistante a parlé d'héritiers et des rois de Galar. Vous croyez qu'elle parlait au sens propre? Pyrux, regarde ta carte. On a des pics simultanés dans 4 stades. Ouh. C'est crapule, ne perds pas le temps. Les stades? Rosemary! 4, il y en a 4. On est à 3, ouais. Donc ça veut dire que. Roy, il est pas impacté. Peut-être. Ou alors c'est du smashing. Ah oui, c'est toujours calme du côté de smashing. Ah oui, non, ça va. Ce qui est logique, vu que la ville n'est pas à côté d'une source d'énergie. Ah ouais, c'est vrai. Elle oublie. Galius, y'a pas d'instant à perdre. Allons sauver ces pauvres Pokémon. Je vous laisse vous occuper des Pokémon dynamaxés. Pendant ce temps, j'essaie d'en apprendre plus sur les deux clowns. Waouh, ça y va, hein, ce post-league. Ouais. Alors. Du coup, on va où? On joue contre la Spal, pour ceux qui voulaient savoir. Spal, ils sont en dernier, c'est pas non plus la folie, mais faut faire attention. Voilà pour la partie foot. Vous avez vu, on joue à Pokémon. J'ai laissé côté mon foot hein, quand même. Je suis en train de faire le live avec vous. Hein. Mais bon, je veux quand même savoir. Et ils sont soignés, t'as dit? Ouais. Là, si je peux me permettre. Non, je rigole, on va faire dans le désordre. Attends, c'était. En Kikunam, on le fait à la fin du coup. C'était. Bah là, Old Sister, non? Attends. Old Sister, puis Corifei, ouais c'est ça. Kikunam c'est à la fin. Puis Ludester, et Kikunam, ouais. Donc on va ici. Old Sister, ouais. Ok. Là du coup ça sera différent. Et le prochain aussi différent. Non. Non. Celui d'après. Ouais. Donc là c'est différent, c'est cool. Merci les potes, hein. Merci. Faites-moi juste savoir maintenant s'il y a des mises à jour de score, c'est tout, pas besoin de m'en dire plus. Alors. Donc là c'était Spectre pour moi. Donc je vais essayer de... Ouais, Spectre, c'est... Spectre, c'est Spectre, là ouais. Ah non, c'est quoi, moi? Je vais jouer des Yelevan. C'était Roche, moi? Non, c'était pas ça. Mais regarde, c'est... Combat, c'est Faiza. Combat, ouais. Et j'ai rien. Ah bah, je vais Corvallis Spectre, à l'époque. Spectre, ça va être qui? Lugulam, peut-être? Ah bah si, j'ai. Non, j'ai rien. En combat, j'ai absolument rien, les potes. Gros Drive? Gros Drive, j'espère pas. Bon, écoutez, on va mettre... Non ça. Zangue. De toute façon, c'est un Pokémon, c'est pas non plus la fin du monde. Grodrive? Je sais pas, Grodrive, Lugulabre. Lugulabre serait stylé. Ouais. Ah, c'est une cloche. Ouais. C'est pas un truc.
décélant de Gallus peut-être. Ah, peut-être, oui. Il a pas joué en disant ça. Non, dites pas. Hein. Moi, je sais pas, ça pourrait être quoi en combat. Peut-être un Kiki ou un Tignan. Bon, on verra. Vous ici? Vous, vous êtes là pour aider? Seriez-vous ici pour m'aider? Ouais, on va dire ça. Tu nous fais un topo sur la situation? Alors, les spectateurs sont à l'abri, le personnel aussi. Les Pokémon Dynamax ont investi le stade, j'ai évacué les spectateurs et le personnel et je m'apprêtais à aller m'occuper des Pokémon. Il reste plus que les Pokémon Dynamax. Parfait, on peut s'y mettre tous ensemble. Merci, c'est gentil, merci. Pour volontaire. Il y a plein de Pokémon, prenons-en un chacun. Ah, il y a plusieurs Pokémon, allez. Je compte sur vous, sur ce. En avant. En avant. Conseil pour les Pokémon. Attends. Parce que... Quoi? Ça, c'est cool, hein. S'il y a un double raid on the same time, I am on the floor. Ah ouais, non, tu es noir. Oh, Béto-chef. Ah, mais on est seul, du coup. Il s'occupe des autres. Ouais, mais frère. Oh, il doit pas être un 5 étoiles comme frère. Frère. Je pense pas. Frère. Frère. Allez, go. Ok, je... Ouais, non. Bankai. Il fallait dynamaxer quand même. Tensa. Alors, tu as un contact. Yerevan. Yerevan. Trop stylé. Toi, tu vas le démonter. Ouais, lui aussi, il peut me démonter. En vrai, il est défensif, notre noir. Ouais. Bon, moi aussi, il est chiant. On va voir comment je fais. Hein. Franchement, je pense que. Oh, oh, tu as pris one shot, toi. Ah, plus. Ah, ouais, t'avais une attaque super efficace. Oui. C'est pour ça. Spectromax, par contre. Non, mais je résiste. On parle de Noctu Noir, on parle pas de d'Ectoplasma. Ça va être tendu. Hein. Qui c'est qui tape le plus fort? Allez, il faut que tu fasses un coup critique. Et on le va. Allez. Manda tout aimé. Ça rigole, non. Non. Il a pas fait? Non. J'aurais tué, je pense. Ah si? Eh oui. Mais pas suffisant quand même. Ah là, je pense que moi, par contre, je vais me prendre. Hein, parce qu'il a monté. Au point clair. Oh, l'erreur du joueur français. Il avait fait quoi avant? Bah, Pugilomax. Saigo no Getsuga Tenchu. En vrai, vous m'avez tellement critiqué ce Pokémon et franchement, il m'a sauvé la mise. Rien que contre Cheroz, il a fait toute la team. Il est trop fort. T'as mis Hisoka. Ah oui, c'est vrai. Non, mais Hisoka, il est ténèbre le problème. Mais t'as raison, je pourrais faire Kalinri Z et puis ciao. Bah écoutez, je voulais un petit peu faire durer. Un grand merci à tous, grâce à vous, les Pokémon Dynamax se sont calmés. Merci, tous les Pokémon sont redevenus normaux. Et il va les soigner. J'ai une antenne vers toi, Pyrux, n'hésite pas à me contacter, enfin blablabla. Et tiens, si tu as besoin, n'hésite pas. Ah j'espère oui. Qu'il est en maillot de bain. Bon là, je la vois pas. Bah oui, regarde, elle est musclée et tout. Et toi? Et toi non, toi c'est mieux pas. Elle fait la peur. Mais c'est une fille, un garçon. C'est un garçon. Ah, c'est un garçon. Eh oui. Ouais, non, pas en maillot de bain. Allez-y, allez aider les autres stades. Non, je pense que lui, il va être en mode dark avec une poupée dark. Ah, on va voir. Genre avec Mimiki. Dans l'histoire. Je m'en veux qu'on ait pas réussi à empêcher les deux bouffons de mettre la main sur les étoiles vœux. Sans ça, il pourrait pas dynamaxer tous ses Pokémon. Ouais, et c'est que le début, on doit encore aller dans 3 stades. C'est pas le moment de ralentir le tempo. Alors, voyons voir un peu leur carte là. Carte rare. Oh, on voit son visage. Trop stylé. Non, elle est pas en maillot de bain. Fais voir. C'est un petit garçon en fait. Ouais. Sur cette photo prise dans les vestiaires, on peut voir Alistair aux prises avec ses doutes et ses faiblesses, serrant son précieux masque dans ses bras. Ouais, c'est vrai qu'il chaque fois qu'il parle, il y a des petits points en mode il ose pas parler. Ouais, d'où vient cette photo? C'est un mystère. Certains racontent qu'elle aurait été prise par un Pokémon Spectre. Stylé. Pour progresser, affronte des adversaires plus puissants que toi. Si tes chances de victoire sont nulles, vise l'ex-écho. Voici avec quelle extrême rigueur les parents de Faiza ont éduqué leur fille. C'est à cause de la dureté de cet entraînement qu'elle aurait perdu toute habileté à sourire. Je trouve que ça va, parce que là elle sourit pour ça. Qui aurait perdu machin à sourire, même lors de grandes victoires personnelles telles que son obtention du titre de championne d'arène. Qui aura donc la chance de la voir sourire de nouveau? Sa famille, ses Pokémon, ou bien quelqu'un d'autre? Oh. Écoute, faut voir. Alors, si Donna 06, est libre. 38. Entre Donna, ça commence à faire beaucoup là. Je sais pas quoi faire. Je suis débordé moi. Alistair me fait penser à un perso de Shen Senran Kagura. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je n'en dirai pas plus. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Alors, on va partir donc à Corifei. Ah bon? C'est pour ça. Aller. Ouais, oh, c'est la suite. Peut-être ça sera Travis qui va dire aidez-moi! Ah ouais, j'avoue. Attends, on va se soigner par contre. Ah, je suis où là? Ah ouais. Bon, moi non. Alors, c'est qui du coup? C'est. Fée? Travis, ouais, Fée. On va mettre. All Might.
Oh merde, un. Oh, fait chier. Bon bah, c'est la vie. Hein. Alors, donc fée, il y a le poison aussi, mais j'ai rien de tout ça. Hein. Contre le fée, j'ai rien. Mais c'est pas grave, on va. Non, surtout pas y aller. En vrai, on voit Terran, il est bon. La veste de combat, il va résister aux attaques fées. Non, ça va le faire. Oh, cette ville. Ah, il y a même pas de musique, j'avais oublié. Si, un tout petit peu. Si, si. Oh. J'adore. Ça me rappelle, j'avais fait. Putain, c'était où ? Europa Park, je crois. Ouais, Europa Park. Il y avait le Arthur et les Minimoys dans le parc. Et du coup, c'était un peu ce style-là, avec tout en miniature et tout. C'était vachement joli. Je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés à Europa Park en Allemagne. Mais c'est vraiment super ce parc. Ouais, c'était sympa. Enfin, c'est toujours la même chose, c'est sympa. Ouais. Vous, formidable, comme si ma journée n'était pas assez cauchemardesque. Ah, Travis, toi aussi t'as des problèmes avec des Pokémon Cinemax. Est-ce que j'ai une tête à avoir des soucis? Je suis le champion du type fée, je te rappelle. Ma vie n'est que féerie. Je fais partie de l'élite, ce ne sont pas quelques Pokémon Dynamax qui vont me causer du souci. Ah ouais, c'est vrai, t'es champion maintenant. Mais bon, l'élite, ça reste à débattre. De 1, je ne te permets absolument pas. De 2, que venez-vous faire ici? Jouer au Sauveur, vous pouvez remballer. Déjà non merci, ensuite bravo la cavalerie, mais vous arrivez trop tard. Ah, t'as vraiment pas changé Travis, je savais que tu nous enverrais bouler. On est là pour aider. Oh, c'est lui champion de type fée, merci du cadeau. Il va être gratiné le prochain David des Arènes. Liv, c'est joué de moi. À compter maintenant, je ne me reposerai plus jamais sur autrui, c'est mon équipe et moi contre le reste du monde. Pyrux, je te défie en duel. Oh. Hein? Que? Mais c'est vraiment pas le moment. Allons. Oh. Allons Travis, j'attendais plus de jugeotes de la part du jeune homme que j'ai jugé digne de me remplacer. Et vous arrêtez de l'embêter, il a déjà neutralisé les trois Pokémon Dynamax à lui tout seul. Vous n'avez pas lui rien à faire à part vous tourner les pouces. Travis ne sera plus jamais personne lui dicter comment vivre sa vie, accepte-le. En fait, il s'est remis un peu dans le droit chemin grâce à ouais. Ça y est quand même. Moi je lui dis ça alors que c'est ce que j'ai fait, certes, mais c'était pour son bien. Je vous prierai de ne plus essayer d'arranger les choses, vous n'êtes guère. Vas-y. Sally, je vous admire. Vous manipulez les gens depuis 88 ans. Madame, j'insiste, merci pour votre soutien, mais laissez-moi mener mes combats tout seul. Toi, battons-nous. Je ne te laisse pas le choix de toute façon. Ok. Allez, c'est parti. Mon équipe et moi avons fait peau neuve, tu crois nous connaître, tu fais erreur. Tu trembles. Allez, oh. On dit jamais non pour un combat. Hein. Ah, c'est cool. Ah oui, ça, du coup, il a mis ses bulles, j'ai oublié le détail. Oh là là. Comment je peux le... Je touche pas en fait. Tu touches pas mais il te touche pas non plus. Ouais, c'est ça. Enfin, si avec l'attaque fée peut-être, ouais. Enfin, quoi que j'ai l'acier, c'est neutre, ça peut le faire. Intimidation. Pas ouf ça. Et en plus, genre, dans ces combats, il n'y a pas la possibilité de dynamaxer. Je ne vois. Ah ouais. Ah oui, ok là. Ah ok. Ça reste Misty Bull, c'est pas le méga Misty Bull. Voilà, ça va être un carnage. Garde-voile. Lumino canon. Allez, ballon brûlant, même si j'y crois pas trop. On est nous Gladio, c'est vrai qu'il était stylé Gladio. Ouais, Gladio, ouais. Par rapport à Travis, c'est sûr. Ouais. Préscience, ok, ça va. Oh. On peut rien lui refuser. Bien, bonjour. Ouais. Oh oh. Coquinette. Galopa. Ah, plus rapide. Aïe 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 aïe. Ah, il crache comme ça. On dirait qu'il y a une dent en moins là. Ouais. En mode. Il y a du mascara, je sais pas, j'ai pas remarqué pour le Ravis s'il a du mascara mais. Allez, demi-tour. Ah oui. Il a l'air d'être maquillé en tout cas. Bon, il a fait attaque type fée j'imagine. En te battant, je crée mon nom dans l'histoire de notre région. Putain, je peux qu'y amener. Je pense qu'il est plus lent que nous. Ah mais on peut pas vraiment dynamaxer. Faire des résumés. Ouais, défense. On a un anti... On a un tueur de fées ici. Bon allez. C'est un fairy slayer. On a un Travis slayer ici. Très psycho, ça va, regardez, c'est il monte à 201. Usopp. Acnologia. Toujours aussi fort aussi. Allez, Bourdon. Ah, oui, non, attends. Bah,
Ah non, c'est neutre, zut. Travis, effectivement, il est quand même travaillé comme perso, je trouve aussi qu'il est sympa. Je préfère aussi Gladio si je devais les... Enfin... Si je devais les comparer. Quoi? Il a fait quoi? Estocorn. Ah. Ah, c'est Balam qu'il fallait faire, moi c'est pas grave. Et ensuite, qui va-t-il amener? Je ne sais pas. Bon alors Buffy, il s'entame. Ça me tue de le reconnaître, mais tu es peut-être le maître le plus fort que Galar ait connu. Ah ouais, quand même. Ah ben j'ai répondu, j'ai même pas vu. T'as vu la même question? Oui. Non mais c'est juste dire, il dit ouais, tu dis c'est clair quoi, on y va. Ouais. C'est pas une question pour booster ou pas. Ah oui non. Mais moi aussi j'ai pas vu. Bon les ballons, bon mais bon. Ça fera peut-être pas le chaos hein. Non pas du tout. Fais ensorceler. Ah oui, tu m'as ensorcelé. Je ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas où j'ai mis mon téléphone. Bon allez, on va faire un petit... petit je sais pas quoi. Même Kuba, je pense que ça devrait le mettre KO. On va faire anti, on sait jamais. On va être en psyphé. Anti, ouais, c'est bon. N'hésitez pas à balancer des likes, encore 7 j'aime pour atteindre les 700. Faites-vous plaisir. Allez-y, allez-y. C'est gratuit. Ah ouais, V-Box, c'est bien. Tu peux faire tourner ça. Alors, toutes les demi-heures à peu près, si tu veux. Ouais. Travis me rappelle le rival de 2G, mais j'aime pas le chara-design en plus. Ouais, ça change, moi, je trouve. Ouais. Il fait moins macho que d'habitude, c'est sûr. Merci de m'avoir affronté, j'admets l'étendue de ta puissance. Enfin, hein, ton titre de maître est mérité. Ouais bah. Ce n'est jamais simple de reconnaître ses faiblesses, ça, mais il faut le faire pour progresser et je progresserai. Je deviendrai le neck plus ultra des dresseurs du type V. Ah ah. Sur ce, le devoir m'appelle, j'ai un stade à remettre en état. Donc ils l'ont déjà battu, donc on n'a pas le refaire. Voilà ce que j'appelle un combat plein de féerie. Ah, c'est vrai. On a les deux. Ah oui. C'est passé de 699 à 793. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, il fallait un peu vous bouger en fait, c'est tout. Les gars, 100 gemmes en... D'accord. On arrive à 1000 les gars. On va faire un truc. Je sais pas encore quoi, mais... On va faire un truc. Ouais. Ouais, ouais. Franchement, petit striptease de Pyrux. Non, ça c'est 1500 quand même. Travis, ça c'est côté pénible, hein, mais il est redoutable. Déterminé comme pas deux. Même en étant disqualifié du défi des arènes, il a réussi à venir te défier en plein Pokémaster. Franchement, ça m'étonne même plus qu'il soit direct devenu champion d'arène. Il est un peu relou, ouais, bon, et carrément insupportable. Mais c'est un super dresseur. On peut pas nier sa détermination. Ouais, c'est clair. Ça s'est vu pendant son combat contre toi. Si vous avez l'intention de papoter encore longtemps, je vais aller me faire un thé, hein. Ah, désolé, c'est bon, on a fini. Allez, on passe à la suite. Allez, hop, on enchaîne avec Pyrux et Gallius. On n'a pas une seconde à perdre. C'est parti. C'est cloche de vache à chaque fois, je sais pas d'où elle sort. Ça doit être un sponsor, peut-être. Parce qu'on les voit pas apparaître. Possible. Parce qu'ils sont pas, il y en a beaucoup moins qu'avant, hein, il y a quasiment pas. Non. Et je me dis, c'est pas un subscribe, ça va, je pense que t'en as plus. Ah ouais. Ça doit être un sponsor, tout simplement. Je sais pas. Sponsor. Mais non, ils apparaîtraient là. Ouais. Non, non, je pense que c'est des abonnements, mais je comprends pas pourquoi. Ils sont tout enlevés. Mais bon. Qu'est-ce qu'il a fait comme score, le fameux Fieldrand? Lui, il fait que des lives, donc c'est un pro à ça, hein, ça en guillemets. Ah bah oui, non, mais c'est normal. Nous, on a aucune... enfin, nous de base, on en fait pas vraiment. Là, il suffit qu'on se lance un peu, c'est vrai que... Ah, Ténébro. Tu joues à Fortnite. Alors Ténébro, merci pour les 2€. Ouais, et on beaucoup. Ne joue pas à Fortnite tous les deux. Non. Ah, là, il est arrivé. Ouais. C'est le Mew. Là, c'est... ça fait clink, clink, clink. Non, ah, il y a pas de Mew. Ok. Ça fait comme des pièces. Quoi. Ouais. Du coup, alors... Donc, il faut aller à Ludester, maintenant. C'est fait pour toi. Donc, glace. C'est glace, ouais, pour moi. Et moi, c'est Roche. Du coup, on va retrouver... Non, Roche, Goku. Ah oui. Tranquille. On le soigne pas parce que Balek. Et c'est l'autre côté. Ah, je peux pas. Mais si. Non, je le sens. Ah oui. Oh, bonhomme de neige. Je voudrais un bonhomme de neige. D'ailleurs, il y a le 2, le film. La Reine des Neiges 2 au cinéma en ce moment. Est-ce que c'était une information qu'on devait sortir? Bah oui, parce qu'il y a la neige.
Donc la Reine des Neiges. T'as avec vu la première neige. T'as vu le premier épisode? Ouais, je l'ai vu, mais j'ai pas trop aimé. Mais le 2, ça a l'air... Tu vas le voir? Plutôt bien. Non, au cinéma, non. Mais je regarderai sûrement avec quelqu'un en DVD. En film. Un jour. J'ai eu du retard pour les Disney, les derniers. Mm-hmm. Mais il y a genre Coco. Je sais pas si tu l'as vu, ce film. Non. C'est un des meilleurs films de Disney. Il est incroyable, ce film. Je sais pas si vous l'avez vu. Je pense que c'est le meilleur Disney de tous les temps. Il est excellent. Et Zootopie aussi. Zootopie, j'ai trop kiffé. Ah, mais il y a des messages derrière, mon gars. C'est hyper intéressant. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, rien. Pourquoi j'ai un mode ralenti? Bah parce qu'on est en mode, on est en chat ralenti là. Allez vite vous mettre à l'abri, hein. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous en plus du reste. Eh, du calme, on est là pour aider. Hein. Oh mais c'est vous, je ne vous avais pas reconnu. Le maître est là, tout va s'arranger. C'est la même phrase. Ah ouais, ouais. Ah non, ça change. Ah. Je me demandais justement comment j'allais me dépêtrer de tous ces Pokémon Dynamax. Mais maintenant que vous êtes là, c'est bon, on est pile le bon nombre à chacun. Allons sur le terrain de combat. Mais là, c'est maman, bon. Laisse tomber, c'est une jeune maman. Ouais, la carte. Qu'elle a enlevé son manteau sur la carte rare. On l'a pas vu d'ailleurs la carte rare avant. Elle va nous la donner après, ouais. Ouais, enlever son manteau. Waouh! Oh, mon Martic, mon Olympa, il est là. J'ai galé de temps. Il s'est reconverti en boss de raid. Ouais, j'avoue. Bon, bah, ça va être du gâteau. Hein. Même pas besoin de Dynamax et limite. Bon, on le fait pour la beauté du geste. Moi, j'aime bien Pinocchio quand même. Voilà. Ouais, Pinocchio, ça va, c'était sympa. Je pense pas que je le tue, hein, parce qu'il doit quand même être sacrément physique. Ouais, il est bien. Ah, ils l'ont vu quand même. Hein. Ce coquin de Pyrux. Ouais, t'as pas vu ce que j'ai fait, tu verras dans la revue. Ouais, j'imagine avec la langue, comme ça. Comme d'hab. Non, c'était beaucoup plus sensuel. J'attends. Soul and. Eh, Scooby? Ok, je connais pas. Je connais pas non plus. C'est quoi, Scooby-Doo? Non, je sais pas ce que c'est. Oh putain, j'ai. Ouais, d'accord. Tu as tué? Oui. C'était rapide. Soul et Scooby comme dessin animé. Je sais pas. Ouais, Coco est trop bien. Mais oui, franchement, l'ambiance et tout, c'est incroyable. J'ai vraiment trop kiffé. Bon, par contre, je l'ai dégommé. T'as dit quoi? Je l'ai dégommé. Bon, en même temps, t'as dit, moi j'ai un défense physique, je peux pas le one-shot. Je peux pas le one-shot. Il a combien en attaque? Non, en défense, il a beaucoup. Non, mais en attaque, il a combien, gros? Ah, Gigalic, tu veux dire? Ah, Gigalic. Ah, ouais, oui, c'est lui qui est bon en défense. Oui, oui. Un poco loco, la chanson. Oui, c'est Scooby-Doo. Ah, ok, c'est le nouveau film Scooby-Doo. Je sais qu'ils avaient fait des films de Scooby-Doo. Il y en avait deux d'ailleurs. Et après, en dessin animé, j'ai regardé quand ça passait sur France 3 à l'époque. Enfin, je pense que ça doit peut-être repasser en les dernières saisons. Je pense. Mais ici, on connaît Scooby-Doo, mais t'as dit Sol et Scooby. C'est pour ça. Et du coup, c'est qu'avec le chien, l'histoire. Merci pour le coup de main. C'est bon, tout le monde est un seul morceau. Vous êtes tous entiers. On a eu chaud quand même. C'est vraiment pas facile de s'occuper d'un Pokémon Dynamax tout seul. Ah, Pyrux, c'est le maître, encore heureux qu'il soit de taille. C'est normal, tu es maître. T'en es pas mal tiré. Vraiment? Oh, Nabil, t'es pas habitué aux compliments, hein. T'es rouge comme un scolosandre. Oh, ça va, hein. Je rentre sur des Pokémon qui étaient à Dynamaxé, blablabla. Tiens ma carte, voilà. Allez, lisons la carte de Lona. Ah, 4 cartes à lire. Hein, Chaz. Ah mais c'est... Y'en a un qui... Non. Bon. Est-ce qu'il y a un lien de parenté entre les deux? Non. Non. Y'en a un qui avait dit c'est son fils, mais l'âge qu'il a... Un grand frère. C'est bizarre quand même. Bon, l'info on y presse, faut pas aborder maintenant, il nous reste encore machin. On remonte sur scène une dernière fois et on termine ça. Attends. Ah. Attends. Alors. Alors, Trévis, c'est vraiment... Ah oui, c'est très... Ah ouais, tu vois. Ils sont tous les deux. Mais moi j'ai pas la même carte, regarde. Ah ouais, il est stylé avec sa coupe de cheveux. Alors attends, ah voilà, c'est ça, c'est le fils. Rien ne va plus entre une mère qui veut faire de son fils le prochain champion d'arène. Bah il est champion d'arène. Mais donc il y a un... Ça veut dire que je joue dans l'espace-temps avant toi? Comment ça? Bah parce que toi il est champion d'arène, mais moi elle veut qu'il soit champion d'arène. Ah oui, ah et moi il va dire l'inverse. Et ce dernier qui souhaite avant tout spécialiser dans le type roche. Ah oui, c'est ça. Attends, je finis parce que c'est différent. Leur conflit a donné lieu à un combat qui a divisé les habitants de Ludester. Depuis, les deux refusent de se voir. Cela n'a pourtant pas empêché Lona, selon les dires, de devenir le tout premier membre du fan club de son fils. Chaz semble embarrassé sur la photo, mais il s'agit peut-être du fruit de l'imagination.
Ah, ouais, donc c'est bien son fils, toi, il fait plus âgé. Mais ouais, donc elle a bien, je pense, 45 ans. Sacré au paille quand même. Mm. De par sa popularité et ses compétences, il fait partie de l'élite de la région, mais à cause de la rudesse de son enseignement, peu de gens frappent à sa porte pour devenir dresseur d'arène. En revanche, ses admiratrices sont nombreuses. Ah, oui. Il organise. Ouais, il avait dit qu'il il plaisait. Il organise d'ailleurs très souvent des séances de dédicaces et des rendez-vous avec ses fans. Sa popularité est telle que, grâce à leur soutien, 3 recueils de ses photos sont déjà sortis dans le commerce. Il n'a d'ailleurs pas hésité à faire appel à des professionnels pour prendre la photo de cette carte. Il parle pas du tout de ça. Ouais. Ouais, ouais. Ah, bah c'est intéressant. Bon, Travis. Ouais, on connaît. Voilà. Bon, il y avait Sally aussi, c'est vrai, mais bon. Ça n'y a rien qu'en bon. Je suis fan depuis le début, moi. Je suis sa fan. Du coup, bah, il reste. Ah, c'est son fils à elle ? Oui. Lui ? Oui. Bah, c'est pour ça, du coup, que lui, il parle pas d'elle. Et que là, il parle d'elle. Parce qu'elle, elle aimerait qu'il soit en bon terme avec son fils. Donc là, on a la carte bien. Lui, il s'en bat les couilles, lui, il fait sa vie. Oui, mais elle dit, elle veut qu'il devienne champion. Alors que là, il est déjà champion. Donc j'ai l'impression en fait, que il c'est prend la relève. Il a pris la relève, en fait. Ouais, donc toi, t'es après moi. C'est chelou. C'est vrai. J'ai pas compris les potes. C'est exactement ça, Gaius. Merci. Roy, je dis, c'est Tranchodon. Oh là là. T'es un Roy. Ouais, dragon, là. Je sais pas. Tant que c'est pas le. Ça va pas être le même. Libégon, ça va être Libégon. Libégon. Non, non, non. Je vais non, c'est vrai que Tranchodon, on l'a pas. Si, on l'a vu, il l'avait à la Ligue. Il l'avait ? Je crois. Ouais, il devait l'avoir. Il a une de sa attends. Ah, peut-être Rioxydre et Kaiser. Ah, vu que c'est ça. Les deux qui sont. Ok, alors attends, je vais mettre du coup un fée. Ouais. Isoka. Non, Dracolos, je crois. Non, il est pas dans le jeu. Non, voilà, il est pas dans le jeu. Allez, go. Tension négative. Comment ça ? Moi, j'ai jamais eu Pédocus. Ah oui, c'est. Ouais, non, il l'avait déjà aussi, mais Pédocus, je crois. Comme ça, de 0, il y avait 1-1, je comprends rien là. Voilà, je savais qu'il fallait que mon téléphone. Je sais pas où il est mon téléphone en plus. Non, on dit des blagues. De toute façon, on dit des blagues. Oh ! Oh, sérieux, je suis content de te voir. Vous pouviez même pas mieux tomber. Le stade risque de s'écrouler. Il y a trop de Pokémon Dynamax, on s'en sort plus. Ouais, on dirait bien que les étoiles vœux ont été utilisées pour semer le chaos. Oh, c'est ça ? Tu crois ? On n'a pas le temps de se prendre la tête avec ça maintenant. Faut qu'on calme les Pokémon Dynamax. Heureusement que vous êtes là. On va faire un duo là. Avec vous, on a une chance d'y arriver. Pas de soucis, on est venu pour vous aider, pas vrai, Pyrux ? Ah non, j'ai tout lu là, j'ai fait un total. De toute façon, on dit toujours un peu la même chose. Hein. Cool, la Dream Team est dans la place, ça va être un truc de dingue, c'est dommage qu'il n'y ait pas de caméra. Ah, il y a des caméras. Ah oui, 2-0. Donc vous m'avez menti avant, bon d'enfoiré. Peterson, bro, je compte sur toi aussi. Pendant le tournoi, t'as bien trop géré, mon Pokémon Dynamax, t'es un pro. Oh, merci. Bref, séparons-nous, on sera plus efficace. Bien vu, bro. Allez, bro. Chacun se trouve en un Pokémon Dynamax qui s'occupe de les calmer. Go. Bon, non, je pensais que c'était un duo. Ça aurait été sympa, mais non. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, vous aimez Roy, hein. Moi, je dis. C'est un petit peu le BG. Hein. Allez. C'est un peu le BG du game, non, là ? Du jeu, non ? Je trouve, hein. Ah, mais non, trop chaud, non. Eh, y'a un mec, il a deviné, il a dit un des Pokémon de. Ouais, on avait dit Libégon, trop chaud, non. On avait dit toute la team qui ouais. C'est tombé sur un, forcément. Pour un trop chaud, non, tu vois, là, ouais, c'est un vrai Pokémon. J'ai pas changé, du coup, je suis resté avec. Avec Papinou. Ouais. Bon, ouais, je suis impossible. T'es rang. Tu fais quoi, toi ? Bah, je fais pas grand chose, je vais faire demi-tour. Alors, en vrai, il me fait l'attaque poison, je suis cuit, hein. Mais bon, allez, gros, on essaye. Parce qu'il est plus rapide que moi, hein. À tous les coups, hein. Non, mais il va pas le faire. Il fait direct. Il avait la ligue. Ouais, il avait que de fer. Mais bon, c'est un bot, hein. Il va rien faire. C'est un bot. C'est vrai. Il fait attaque dragon. Voilà, enfin, non, peut-être pas dragon, mais. Sinostromax, voilà, encore une attaque. Voilà, tiens. Ah non, Sismomax. Ouais, mais t'as switché, c'est pour ça. C'est vrai que je t'ai feu, ouais. Mais du coup, Metalomax. Aïe 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 aïe. Ah, mais non. Et ouais, le truc, c'est que je vais pas être plus rapide, il va me défoncer. Il augmente la défense, cet enfoiré. À moins que si je dynamax, je vais résister. Ah, je pense pas. Bon, tant pis. Je vais pas tenter, il va me tuer. Giga Impact. D'accord. Bah, on amène le Yerevan, hein. On en profite. Bon, allez, on me tue. Ah, colère. Mais les camps. T'as raison, il a fumé. Ah, il est en Dynamax, il saura même pas. Franchement, j'avais switché, je me suis dit. Si, Dynamax quand même. En vrai, si j'avais switché, il m'aurait tellement anticipé, l'enfoiré. Ah ouais. Il m'a attendu en fait. J'ai switché. il allait anticiper. C'est dommage. Ah. Là, tu vas le démonter.
Ouais, mais je pense qu'il est peut-être plus rapide. Non, non quoi que, non, c'est vrai que je suis rapide, ouais. Il a que... 312. Putain. Il a avec que... Comment il a de vitesse. Il doit avoir 95. Trop chaudant. Ah, il a résisté. Ouais. Ouais, peut-être, ouais. Ça s'y fait colère. Vu que c'est que 50 de puissance, c'est pas si fort en, ouais, en c'est Dynamax. Vrai. Ah, mais c'est vrai qu'il y avait le giga. Regarde comment c'est, la puissance. Ah, ouais. Ah, 630. C'est max, hein. Non, il y a 140. Ah, ouais, plus, bon. Ça, il y aura 180 et tout. Ah, j'ai jamais vu autant, moi. Moi, c'est toujours 130. Je pense que c'est l'attaque spéciale du genre tempête. Je pense que verte, le... ça, vu que c'est 50 x 2, je pense qu'il doit prendre en compte le 100. Parce que pire au but, là, c'est 130. Hein. Peut-être 140. Non, mais... moi, c'est 140 le truc que j'ai. Bon, bah alors 140 peut-être. L'attaque marteau-bois, ouais. Moi, c'est 140. Ouais, ça doit être 140 alors. Vous avez grave assuré, merci encore. Tiens, je vais poster une photo, c'est machin. Il est connecté. Like. Là, je parie qu'il y a toutes les filles qui veulent le voir à torse nu. Mais je comprends, vous inquiétez pas. Il faut aussi. Ouais, j'ai pas lui, mais. Ouais, c'était pareil. Si t'as besoin d'un coup de main, il nous aide tous. Donc, c'est vraiment dans la tour combat. Compte à toi. Ouais, c'est ça, faut qu'on mette ça. On fait des combats entre potes, tout ça. Café, Grag, tout ça. On va se faire des petits combats encore. Bon, sinon, de ce que j'ai compris, il y a des gars qui lisent des oiseaux pour faire des trucs plus chelous. J'imagine que vous êtes déjà sur le coup pour choper les coupables. Moi, je gère la situation au stade de Kickenham, donc je vous laisse. Merci, menez l'enquête. Alors, attends, on va quand même voir ça. Ah, c'est 140 le max. Même les il y a pas d'attaques spéciales comme les attaques Z qui étaient un peu spéciales. Bon, je crois qu'on est bon. Quelle aventure. La situation est stabilisée dans tous les stades. On va pouvoir se concentrer sur les deux nazes. Oui, il faut qu'on les retrouve en vitesse. T'imagines si on met ça et qu'on doit recommencer depuis le début? L'angoisse. La prof a dit qu'elle allait essayer de les retrouver. Attendons d'avoir de ses nouvelles. Je vous jure, ils rigoleront moins quand je les retrouverai. Moti de ring. Oh, c'est Sonia, je parie. Vas-y, décroche. Moi, je mange Pélux, Sonia. Ah, oh, je suis trop fort. Mes sources disaient vrai, les deux clowns sont bel et bien au stade de Kickenham. On y est, là. On est où, là? Ah, la salle du recteur. Ah, ok. Ah, on va au même endroit. Je devrais bientôt arriver à ouvrir la porte de l'ascenseur pour y accéder. Ce sera sans doute bon d'ici à ce que vous arriviez. Bon, on y est. C'est bon. C'est bien compris, rendez-vous au stade de Kickenham, dépêchez-vous. On est pas là? Oui, c'est juste à droite. Elle est complètement... Entrée dans son rôle de prof. Hein. Elle nous donne des ordres et tout. Ah, mais ça tombe bien, on y est déjà. Il n'y a plus qu'à se retrouver, Senia. Attends, là, juste regarder la carte de Roy. Vas-y, regarde, pour l'instant, je me soigne. Si c'est soigné. Vas-y. C'est pas soigné du tout. Ah oui. Oh, elle brille. Ah, mais oui, les autres brillaient aussi. Ouais, elles brillent tout le temps. Ah ouais. Elles sont, comment on dit, holo? Ouais, holo, reverse même. Holo, reverse. Putain, j'avais pas fait attention. C'est l'amertume de la défaite qui a donné à Roy le déclic du selfie, afin de ne jamais oublier ce sentiment. Aujourd'hui, il se prend en photo partout, à l'entraînement, dans les magasins de mode. Bien qu'il multiplie les publications, les commentaires ne sont pas tendres avec lui. Dès qu'il perd contre Tarak, c'est un peu les deux ennemis. Il est vrai qu'il a enchaîné 10 défaites consécutives. Mais c'est aussi le dresseur qui a mis KO le plus de Pokémon dans l'équipe du maître. Affirme-t-il. Il n'attend qu'une chose, prendre en photo l'instant où il viendra à bout de son rival. C'est stylé. C'est bien stylé. Bon, allez, ça se trouve, on va retrouver chez Rose, non, même Full si. Full art, oui, voilà. J'y crois pas. Aussi. Mais quel BG sera, regarde-moi ça se met en PLS. Alors, du coup, ça, j'avais pris la Pokéball ici ou quoi? T'as vu comment il fait? Non, attends. C'est, le... ah, c'est là à droite. Ah, hein. Mais elle est là, Sonia. Ah, bah, elle est vite venue, hein. Vole tout! Ah, on peut pas pour l'instant. Vous ne pouvez pas emprunter cet ascenseur pour l'instant. Ah, est-ce qu'il faut faire genre un aller-retour, genre sortir? Ah, je crois que ça doit être ça. Ah, non, il faut lui parler. Moi, ça marche pas. Ouais, mais en fait, ça clique. Des fois, c'est mal fait. Tu cliques à côté, en fait. Ah oui. Bon, j'ai exactement fait ça, il me semble. Mais vous êtes déjà là. En fait, j'ai presque aussi réussi à court-circuiter la serrure, d'accord. Mais il y a encore un truc qui coince. Ah. Bon, je suis pas le chien quand même. Il va aider. Mais j'aurais du coup. Ah oui. Ah bah oui. Hein? La serrure s'est débloquée. Vol tout. Merci pour le coup de patte, Mambo. Il sert juste à ça le machin. Il a été créé pour ça, ce passage. Les deux nains sont en bas, restons sur nos gardes. Alors avant de continuer, on aimerait remercier du coup, parce qu'on n'a pas fait les topos de combien vous êtes et tout. Aux 1300 ah oui personnes qui sont là ce soir, cet après-midi. Ouais, ça c'est dingue, je pensais pas autant. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup encore une fois. Ouais. Ça fait super plaisir et nous, ça, bah, vous voyez, on est à fond. Grave, allez, grave. On va aller battre pour la. Jamais 203 on avait dit, hein, et voilà. C'est la troisième fois qu'on va supposément les battre. Salle du réacteur. Ah, attends, du coup. Attends, moi je vais mettre une petite pièce rune. Si on les rebat. Le mec. Il a cru qu'on était à... Pour gagner triple de. D'argent. Il est tout seul, hein. Il n'est pas son frère. Putain, la musique.
Ce soir, il fait tellement beau que c'est la nuit. Elle arrive, la rediff, ce soir. Oui, ce soir, on remet la ligue. 18h30, normalement. Peut-être un peu après, peut-être un peu avant. Beaucoup trop fort, l'Otaro. Bah oui, c'est mon bébé. Je vais me faire tatouer l'Otaro sur la fesse droite. Vas-y, je vais mettre l'Oise Bergamo. Et on va l'envoyer en premier. Pour faire demi-tour et gagner la thune, c'est ça? Ouais, j'ai pas demi-tour, mais pour voir le double. C'est un nuage chez Perruque, c'est ça. Tiens, tiens, qui voilà. Tiens, tiens, qui voilà. Ah, toi, c'est l'autre? Ouais. Est-ce qu'ils ont le même blabla? Ah, donc, ouais. On lit une phrase chacun. Bouge. Vous avez eu raison de la série, en fait, il se marre. Et vous avez même réussi à ramener le calme dans les stades. Vas-y. Bravo, bravo, je vous tirerais bien mon chapeau si je pouvais en porter un. Enfin, c'est bien la moindre des choses, venant du maître. Mais brave, acclamez-le un peu, il l'a bien mérité. Ah, donc c'était Jennifer, c'était celle de gauche, là? Non. Jennifer, elle est... celle, tu crois? Non. Non, c'est une autre. C'est fou en délire, mais qu'est-ce que... Ah, il se passe quoi ici, la gênance? Ce mot n'existe pas, ils l'ont mis dans Pokémon Smart. C'est clair, arrête de te moquer de nous et dis-nous plutôt pourquoi t'as forcé les Pokémon à se digne maxer. C'est à cause de cette fausse légende que vous avez tous la candeur de croire. Je vais vous dessiller les yeux et vous révéler la véritable nature de Zacian et Zamazenta. Arrête de nous baratiner, Zacian et Zamazenta, Zamazenta ont sauvé Gala. Silence, Manon. Nous étions révérés comme les dignes descendants du véritable héros de Galar. Nous étions célébrés. Mais vous êtes arrivés, vous avez mis votre nez crasseux dans l'affaire des Thanatos. Et voilà que l'on vous porte au nu en tant que sauveur de Galar. La peste soit de vous et de cette fieffée. Scribouillard, son torchon n'est que mensonge. Oh. Ouais, bien dit, Odaldès. Oh. Vous, arriviste, royaliste. Trois petits points raides, et là. Bon. À cause de vous, les Pokémon sont traités comme des héros, vous avez réécrit l'histoire. Et nous alors, si ce sont les Pokémon qui ont tout fait, nos ancêtres, seraient-ils des menteurs? Donc ton frère et toi, vous êtes vraiment les descendants des rois? Bien évidemment, nous l'avons toujours été. Et l'histoire telle que nous la connaissons est la seule version valable et acceptable. Qu'est-ce donc que cette manie de se mettre à inventer de nouveaux héros comme ça? Vous commencez à vraiment m'énerver, tout ce que j'ai écrit est vrai! Je suis persuadé que Zacian et Zamazenta ont protégé Galar de tout temps. Ah oui, eh bien nous allons voir ça tout de suite. Si ce sont de véritables héros, ils devraient rester maîtres d'eux-mêmes, combien même on les exposerait aux Galarions. Oh, ils vont dynamaxer. Je vois. Quand ton frère et toi vous vous amusiez à tout dynamaxer, ce n'était qu'un premier essai. Quoi? Exposer Zacian et Zamazenta aux Galarions? Non, fais pas ça! C'est seulement maintenant que vous le réalisez? Ha! Mon aîné est en train de finaliser toutes les préparations là-haut. On vous laissera pas faire! Trêve d'insolence, jeune fat. Jamais je ne vous laisserai gagner l'ascenseur. Faudra d'abord me passer sur le corps. Show time. Allez, moi j'y vais. Hein. Admire un peu le pédigré de mon équipe, je suis un dresseur de champion. Ok. Donc il y a deux combats du coup. Mm-hmm, et ils vont faire un truc avec les Amazenta et tout ça. Et si Dynamax, ça va être chaud. Ils ont toujours les mêmes Pokémon. Hein. Bah du coup, ouais, ils n'ont pas eu le temps. Hein. Ils sont en train de faire leur affaire. Le par contre, les niveaux... Ah oui! Ah! Quand même! Avec leur bevy, j'aurais dû mettre KO, je pense. Mais c'est pas grave, pour gagner deux fois plus de thunes, qu'est-ce qu'on ferait pas? Ils ont un gros grain, ceux-là, grave. Mais je les aime bien, ils sont dans leur délire, là, j'aime bien. Ouais! Ils ont même du public avec eux! C'est incroyable. Regardez-moi, ce Pokémon est tellement fort. Tellement fort. Ouais. Je respecte, c'est trop fort. Et je fais surf, hein. Je vais même pas être au canon. Hein. C'est ça qui est... Psycho. C'est bien qu'ils aient changé hein, les Pokémon. Scalpro, ouais, ça j'avais pas fait gaffe, c'est vraiment l'épée, quoi. C'est assez stylé. Bah, en vrai, je suis sûr qu'on le dépasse. Ah, il fait ça, mon chien. Kitty click. Il y a moyen qu'on lui fasse suffisamment pour peut-être le mettre midlife. On va faire bas l'ombre. Ah, oh, il fait abri, putain. J'ai hésité à faire plénitude. J'aurais dû. Ouais, du coup, il va attaquer. Je pense au prochain, je fais plénitude parce qu'il y a peut-être moyen qu'il refasse un abri. Il y a que des physiques défensifs. Ça va. Ouais. Enfin, pour mon cas, ça va.
Plénitude. Ah non, il fait même pas abri. Bon, j'ai cru. Il se fait plaisir. Bon, là, on va pas. Bon, après, avec éclair fou, il prend quand même des dégâts de recul, donc c'est plutôt bien. Ah, critique. Du coup, il va prendre. Ouais, mais je le mettrai pas KO avec Balombre. Il va pas faire abri quand même. Ouais, ça. Attends, on va voir. C'est trop stylé, Balombre, maintenant, ça va ralentir comme ça. Bon, tant pis. C'est le suicide lead. Kitty click. Oh, ouais, allez, y aller. Ouais. Ah, t'as pris Eternatus. Ouais, en fait, je vais pas qui tue mon. Ok, Escarmouche, mon truc. Alors, j'ai switché sur qui pouvait tenir Escarmouche. Ah oui. Que mine de rien, Escarmouche de Samurai, c'est je crois l'attaque la prioritaire la plus puissante du jeu. Vu le Pokémon et son stab. Ouais, c'est vrai. C'est, voilà. Donc, faut faire attention quand même. Branchicroc. Lanceur mort, sa cible avec ses solides branchies. Ah, c'est l'attaque d'Antichrist, hein. Non, quoique non, c'était pas ça. C'est une nouvelle attaque. Si cette capacité est lancée avant que la cible n'attaque, elle affichera deux fois plus de dégâts. Oh, sur qui il apprend ça? 170 de dégâts. Ouais, mais il est lent. Non, il est lent lui, ouais. C'est dommage, peut-être le poisson. Mouchoir choix. Ah ouais. Mais en vrai, c'est mieux que Rekan. Putain. Ah non, ouais. Spé toi. Mais ouais, moi je le joue spé, mais on peut le jouer un peu les deux. Bon, je vais pas l'apprendre, mais je pense que mouchoir choix ça doit mais pas être mauvais. C'est pas ce qu'il apprend, le chance de poisson, il doit l'apprendre. L'autre, ouais, tous, et... tu penses. Et le dragon, dragon haut. Même tous les poissons, mais de maintenant, genre Barconchua, on peut l'avoir là. Ah oui. À mon avis. Hein. Même dans Antichrist, je pense pas qu'il y ait. Ta musique, elle est stressante. Allez, place tes murs. Allez, go, les 1000 likes, les potes. On y arrive. On vous a dit, hein. 1500, il y a la striptease. Parce que je sais qu'on va pas arriver à 1500, faut pas déconner. Ah ouais, mais 600. Ah, mais c'est pas à jour. Ah, pardon. Je lui enlève le. Ouais, c'est pas grave. Allez, l'extrascenseur il a fait. Et il échoue, hypnose, t'es sérieux. T'aurais dû attaquer direct. Mais non, je suis bloqué. Ah, t'as. Je suis de bande au choix. Ah oui. Eh bien tant pis, il se réveillera. Ah non, j'ai plus qu'un coup bas. Bon, mais non, ça marchera pas alors. Non, mais là, ça utilise pas son. Tu crois? Quand tu dors, ouais. Ça utilise pas. Putain. Par contre, faut que tu travailles au prochain. Vas-y. C'est bon. Et c'est bon. Et c'est bon! Oui! Ça va, il s'est réveillé rapidement. Putain, y a un petit peu de son, mais pas trop. Ouais. J'espère qu'il y a la même musique qu'avant, la musique stylée avec les chœurs. Yeah. Oh. Caillou, je t'offre 5 euros. Merci beaucoup pour tes 5 euros, Neymar. Non. Neymar, ah oui, Junior. Neymar Junior. Comment oses-tu, Maro? C'est bon, on les a tous expédiés. Vite, au toit. Oula. Oh putain, crois. C'était quoi ce cri? Oh, oh, oh. Mon puné a réussi. Faut qu'on monte. La Peterson, il nous suit, hein, jusqu'au. Alors attends. Ouais. Il nous les soigne pas, lui. Non, j'allais dire. Qu'est-ce que je mets? Je vais mettre un Pokémon genre Goku. Je pense que c'est un truc qui tient bien. Et je peux lui enlever la vitesse en cas. Enfin, je sais pas ce qu'on va faire en fait là. Ouais, ah, putain, on va l'affronter. Soit on affronte pour capturer direct, soit on affronte d'abord l'autre mec avant. Ouais, peut-être je pense qu'avant de capturer, ils vont nous. Ah merde. Ils vont je nous. Ça va pas. Ah, c'est bon. J'ai eu peur. Ils vont nous laisser un temps, je pense, pour ça. Ah, mais là, Jennifer. Merde, là. Ah ouais, elle est là. Par contre, le bruit que vous entendez, j'ai l'impression que c'est un truc de Super Saiyajin, genre. Vous trouvez pas? Ah ouais. Qu'ils vont se transformer en Super Saiyajin? Victoire! J'ai réussi! Ils m'ont puiné! J'ai réussi! Oh, ils sont dark! Le voilà, j'ai attiré par le bouclier rouillé et je l'ai explosé au Galarion! Ouais, il a les yeux genre vides. En vrai, il est stylé, Zamazenta. Ah, mais je le tiens du coup! Oui! Tu préfères Zamazenta? Arrête, tu ne vois pas que Zamazenta souffre! C'est de ma faute, tout est de ma faute! Bon, bah lui, c'est le. Ah oui, bah oui, c'est si j'avais pas laissé piquer l'épée rouillée! Ah, mais que nous, on va se battre avec le nôtre du coup! On avance, ville créature, montre-leur ton vrai visage. Ah ouais. Nous allons voir qui sont les usurpateurs. Ah bah oui, t'écoutes pas, bah oui, tu crois quoi. Toi, t'es ton chien ou quoi? Ah. Mon aîné. Mais enfin, sombre bête,
Ce n'est point moi qu'il faut attaquer, mais toute la plèbe dehors. La plèbe. Il essaie de résister au Galarion et de se calmer, mais il n'arrive pas à se maîtriser. Zacian, tiens bon. Je proposerais bien qu'on essaie de le calmer, comme on fait les autres. Et c'est un peu comme légendaire, ça va pas être la même histoire. Et parlons même pas de le capturer, c'est juste impossible. Okay. Faut être réaliste, si l'un de nous a une chance d'y arriver, c'est toi Gallius. Vas-y, on protégera les gens si besoin. Toi, occupe-toi juste de calmer Zacian. Attention, il arrive. C'est tellement bien qu'on affronte l'autre. Donc lui, on l'affronte. Putain, en obscur. Ah, mais là, on peut run, putain. Je vais le voir. Allez, grand coup d'ess. Lame indomptable. Augmente. Oh, l'attaque augmente. Oui, ah, c'est une sorte de télécharge. Ils avaient fait ça hein, au premier match. Ah ouais. Toi, c'est l'attaque, moi, c'est la défense. Toi, il est... What, le niveau. Ils sont pas le capturer, il faut le battre. T'as capturé coup... Non, non, y a pas la pole. Attends, du coup, il est quoi? Moi, je suis ça. L'attaque augmente, ça va être chaud. Ah, mais efficace. Ah, bah oui. Oh, putain. Oh, ouais, la musique, elle est trop stylée. Dans la forêt de Sleepwood. Ah! Ah! Attendez, tête de fer. Danse l'âme! Putain. En même temps, c'est normal. T'as essayé de le capturer, ça marche pas? Ah, il y a X! Ah oui, j'avais pas vu. Non, c'est une question. Je sais pas. Bon, j'ai testé alors. Mais c'est pas lui dans notre... Ah oui, c'est pas notre... L'autre. Voilà, c'est pas notre légendaire donc... Bah, je vais quand même voir. Oh, il va me défoncer. Ah, je vais perdre, je pense. Il est trop fort. Ok, non, on peut pas. Ouais, non, mais lui, il est plus fort que le... Mais que... Ouais. C'est le meilleur des deux. En plus, il s'est boosté avec son talent plus dans ce flamme. Il est à plus 3. Moi, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est son truc, pas très efficace. Ok, donc il doit être combat. Ah, il est combat. Il est combat toi? Bah, il est pas efficace avec ça et pas avec ça, donc c'est combat forcément. Les combats acier? C'est possible les gars? Putain, il refait dans cela. Non, pas combat acier. Il fait que des murs. Moi c'est l'inverse, c'est des murs de fer à la poison. Ouais, donc, ouais. Moi je suis dans spé donc je m'en fiche. Ah, peut-être qu'il est fait. Ah non, il est pas fait. Ouais, c'est ça, t'as raison, il est. Il doit être combat acier. Ouais. Je connais lui, mais pas lui en fait. Putain. S'il me refait d'as. Là, Oh oui, c'est bon. C'était l'erreur. Après, il avait l'âme sainte, ça me touchait pas. Bon, il avait tête de fer par contre qui me défonçait, je pense. Mais bon. Il va remettre dans ce lame, il va être à plus 7. Heureusement, sinon je pouvais pas le passer. Attends, j'attends. Parce que je prends... Tu penses? Ah oui, c'est bon. Ouais, oui, c'est bon. C'était quand même chaud. Et il serait fait du coup fait, acier, acier fait. Oh, ultra laser de All Might. Non, c'est vrai. Ah, il a retrouvé ses pupilles. Ah oui. Zacian, ça va? Mais non, il va venir le lécher la joue, c'est sûr. Ah oh. Non, on se fait protéger. Oh putain. Ah oui, ils sont tellement beaux, putain. Ah, ils sont trop beaux. Zamazenta? Je contemple deux. Il n'y a aucun dialogue, ils font juste des ouh. Ouais. Mais c'est trop beau. Merci Zamazenta, tu m'as sauvé. Ouais. Comme il a marché. Oula. Il a laissé tomber un truc par terre. Il a sauté. Il n'arrive toujours pas à se contrôler. C'est terrible. Il faut qu'on suive Zacian pour l'aider. Ah, c'est pas fini. Il est choqué. Ah, l'épée, il faut la récupérer. Donne-lui une claque à celui-là, vas-y. Et toi, prends ça, rends ça. Ça appartient à Zacian. Ah. Il est son fameux. Ah. Putain, il saute 3 marches d'affilée, il est trop fort. Miséricorde. Ah, les yeux. Pitié, ayez pitié, épargnez mon puiné. Zacian. Tu m'écoutes maintenant. Zamazenta vous regarde dans les yeux. Tellement. Il va partir. Non, reste là. Faisons un combat.
Fais son combat. C'est ce qu'on appelle gérer une crise de main de maître. Regarde-moi ça, on dirait qu'il t'attend. Allez. Alors. Déjà, on va essayer. Donc, moi, t'as dit drague, acier combat. Je pense. Moi, c'est du coup fait. Ah non, mais moi, ça va être chaud en fait. Ils ont échangé maintenant. Acier combat. En vrai, Téhéran, il est bon. Je vais le soigner. On va remettre truc mûche parce que comme ça, je lui fais baisser sa vitesse. Ça va plutôt bien marcher, je pense. Et il jouait dans le physique ou dans le spé plutôt quand il a attaqué. Physique. Physique. Ouais. Il a pas beaucoup attaqué, hein. Il a fait mur de fer 50 fois. Toi dans cela, mais tête de fer, c'est ça? Ouais, doit physique plutôt. Je joue la veste de combat, c'est un peu rien. Je pense. Hein. Mais il bon. A pas beaucoup attaqué. Moi j'ai ballon brûlant, je pense pas le mettre KO quand même. Bon, à ton sauvegarde. Allez, c'est parti. D'avoir un pour le combat. Zamazenta vous observe sereinement. Voulez-vous armer du bouclier rouillé pour capturer Zamazenta? Oui. Oui. Ah, il va peut-être se transformer là en forme. Ouais. Oh. Oh. Oh non, il est encore plus fort hein, en cette forme. L'autre c'était une forme sauvage. Là, ouais. Là, il est encore plus fort. Ah, je crois qu'avant il avait un autre type. Tu crois que c'est pas le même? Et là, ils ont pas les mêmes types. Ouais. Avant moi c'était que combat, ah, je crois. Et là, il gagne. Et toi, il gagne type acier. Et moi, c'était que fée, ou que acier, il gagne type fée. Ah, moi, c'était que fée, voilà, parce que. Oui, voilà. Oui. Si, c'est ça. Je crois que c'est ça. Égide inflexible, ouais, c'est pareil. Hein. Ah, ouais, c'est pas la même. Bon, les ballons brûlants. C'est pas la même du tout. Tranche, oh, ça va. L'âme sainte, il avait ça? Ouais. Oh, ça va. Oh, Aegis Maxima! Oh, il est trop stylé! Je l'aime beaucoup. C'est acier, je pense. Oh, la musique, elle est un peu. Hey, il a fait un coup critique! C'est un remix, non? Ouais! Ta-da-da-da-dam! Tu joues cette musique? Ta-da-da-da-dam! Est-ce qu'on tente la, la Luxe Ball ou pas? Je l'ai mis KO! Bon, il va rester, je pense. Avant on pouvait pas l'avoir, tu sais, on le battait, on le mettait KO, c'était fini quoi. Putain, j'ai fait une capture critique là. Sans vouloir vous mettre à l'épreuve. Mais pourquoi j'ai fait plus fort, j'ai pas compris. Pourtant j'ai attaqué la même puissance. J'ai pas compris. Vous savez les gens pourquoi je l'ai mis KO? Ah si, j'ai activé mon brasier. Ok, je comprends maintenant. Bon allez. Ta-da-da-da-da. Tu veux capturer Luxe Ball? J'essaye, j'en ai 3. Et ouais, il doit avoir un taux tellement bas. C'est quel type ça? Oh, ça doit être combat ça. Ou acier? Non, c'est pas combat. C'est Aegis Maxima? Gladius. Maxima. Gladius! Mais Gladius? Comme Gladius, ça veut dire épée en latin, je crois. Ouais, c'est vrai, ouais. Je suis pas sûr, je suis pas sûr de dire ce que je dis. Le Glad. Moi, je pensais que c'était le. Non, mais ça doit être ça. De glaive surtout, je pense. Ouais. Bon, les gars, j'essaie de faire au max avec des balls autres que la master, mais si il me tue tout, ben là, je suis la master sur la fin. Oui, oui. Bon, après, on peut se soigner aussi. Moi, je vais essayer à l'honor ball. En fait, je pense pas, je peux pas faire plus, je pense. Et en même temps. Je crois qu'il est un peu plus défensif que tout à l'heure. Mais ah, peut-être je me trompe. On va faire Vendetta. On va aller hyper bol. Oh, il fait mur de fer, punaise. Dommage. Ah, bah. Oui. Bien joué. Oh putain, c'est tout. Voilà, c'est bon, je peux faire ballon brûlant. Mon dernier. Et après, on balance les honor balls. Oh, quoique, il fait deux murs de fer quand même. Gladius, c'est l'épée. Et Aegis, l'égide, donc le bouclier. D'accord. Stylé. J'ai fait ah du oui, latin, mais c'est vrai que. En petit. Pour ça qu'il est meilleur que l'autre, parce qu'il a le type fait, je pense. Alors attendez. Ah, du coup, il a l'épée comme objet sur lui. J'ai plus d'huile.
Toi, c'est quoi croque argentin? Non, c'est le statue. Oh, c'est stat. Il serait acier. Je voulais l'appeler, vous savez comment, les potes? Je pense que vous allez me dire que c'est une bonne idée, mais Stark dans Bleach, c'est le l'arrancard numéro 1, qui est du coup un loup. Ça me paraît pas mal. Lentement mais sûrement. On va enlever du coup bah, Ahsoka. Ça change de dans Rosa, là où on galérait à le capturer. Lesquels? Ah oui, les Groudons et tout. Ouais, là maintenant ouais. C'est plus facile quand même. Enfin, allez, Vendetta. J'ai la chance parce que j'ai tenté des balles avant ça. Ouais, mais Hyperball ça a quand même un taux. Tu vas Vendetta comme ça au calme. Ah, il a fait un mur de fer. Ouais, il a fait 3 murs de fer. Bah, je pense qu'avec une petite balle c'est bon là. Moi j'osais pas trop parce que le mien il est trop fragile quand même. Ouais. T'as combien dans leur boule? 12. Ok. Bon, j'ai tendance à voir. 1, 2, 3. Ouais, c'est un petit taux en fait. Ah non, dommage. Ouais, en gros, c'est comme Xerneas et Yvelta, ils ont gardé un tour assez facile. Ouais, 45. Mais bon, attends, je l'ai pas encore capturé. Ça se trouve, c'était de la chance sur ce coup. Deux, un. J'ai hésité à refaire un Vendetta, mais bon, je me suis dit, c'est risqué quand même. Oh, il y a Mathias. Hey, Mathias. Stark. Ouais, salut, oui, poteau. Stark. C'est un bon nom, hein. Salut. Ça lui va parfaitement. Du coup, il n'y a pas de son du côté de Gaius, parce que c'est moi qui ai le son général du jeu. Il va sur la capture quand même. Ça va être tendu. Ah ouais, non, il ressort. Hein. Ouais, il a un truc 45, donc c'est genre. Ouais, c'est genre. Faut avoir un peu de chance, quoi. Faut que ça. Je trouve que t'as une chance sur. Mais bon, je voulais tenter un peu le. Sur 10, le challenge. Ça. Ouais, mais moi j'ai pas autant de Lux Ball. Je voulais Lux Ball, moi. J'en avais que 3. Il va rentrer, à moins qu'il le tue tout. Faudrait que je le touche, mais j'ai peur. Attendez, on a dit qu'il est acier combat. Ouais, là les chances sont pas beaucoup augmentées hein, si tu le touches. Sauf que je tape que dans le spé. Enfin, Écotor, mais. Ah, si! Tu vas me dire, je peux faire un. Un éboulement? Un méga corne. Un éboulement, ouais. Un éboulement, je peux rater les deux. Parce que close combat, non. Éboulement, je pense pas mettre KO quand même. Par contre, lui. Non, normalement, il résiste. Ouais, ça va. Fait mal, hein, mais. Limite, je suis sûr que close combat ça le met peut-être même pas. Bon, vas-y, on retente ça. Par contre, c'est la lente. Mais bon, close combat, non, c'est trop risqué. Bouge plus. Fou, avant, quand ça fait 3 coups d'un coup, je me suis dit, ah, y'a moyen. Ouais, mais non. Hein. Allez, Honor Ball, la puissance. 1. Putain. Allez, les gens, motivez-moi dans les commentaires. On va le capturer. Un, deux, trois, oui, capturé. Voilà, il manquait plus que votre vos commentaires, vos encouragements. C'est bon. Il s'est rattrapé. Il donne des résultats. Ce Pokémon changé en statue est resté pétrifié si longtemps qu'il a failli tomber dans l'oubli. Il est combat. Donc ouais, en fait, avec son bouclier et son épée, il devient type acier, quoi. C'est ça. Combat 2. Ah oui. 2. Comme ça, combat 2. Il y a marqué combat tu 2 fois. Oui, parce que t'as. On a battu qui? Bah, tu l'as tué avant. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas si t'as reset, mais. Non, j'ai pas reset. Incroyable, c'est comme si le véritable roi de Galar t'avait reconnu digne de lui. Oh. Ah. Quel sublime combat. Cela remet bien des choses en perspective. Dire que nous ne nous préoccupions que de savoir qui avait sa place sur le trône. Nous étions bien frivoles. J'ai honte de vous. De nous. Oula, pardon. Dites donc, le chevelu. Vous êtes toujours aussi poli, est-ce que je vois? Je sais pas à quoi je m'attendais.
Mon aîné et moi-même, nous sommes prêts à subir la punition encourue pour le crime. Ah oui. Allez. Conduisez-nous donc à l'endroit le plus approprié pour que nous puissions faire amende honorable. Si vous voulez vous faire pardonner, un conseil, commencez par être un poil moins hautain. Non mais franchement. Gaius Pyrux, je crois que je mesure enfin toute votre envergure. Vous êtes digne d'un titre de maître. Cela dit, j'aurais un service à vous demander. Oubliez-moi un peu, ok? À chaque fois que je vous accompagne, c'est des ennuis sans fin. Ah, bah tiens. Ah, les pères sont rares. Ah, Jennifer. Ah, ça y est, hein, tu sais, genre... Professeur, je sais que je ne suis pas digne d'espérer votre pardon. Sachez toutefois que je suis vraiment désolé d'avoir trahi votre confiance. J'avoue que ça me fait un peu mal, ça m'a fait mal sur le moment, mais merci pour la leçon. Je ne ferai plus jamais confiance à personne. Mais ça sonne un peu aigri comme ça, mais... Bonne continuation. Ah, c'est toi qui dis. Bonne continuation, professeur, je vous souhaite une longue carrière. Ah, elle part. Ah, en fait, elle, ouais, elle se casse. Ouais. Bon, faisons le point. Les deux tocards sont hors de ta de nuire. J'espère que Zamazenta va bien. Dire Dring Ring. C'est ton motif smart ou le mien? Ah, c'est le tien, c'est Nabil à tous les coups. Ah, bah la capturer l'autre peut-être. Hein? Hey Gaius, c'est moi, en fait. Et du calme. Ah ouais, on l'entend. Oh yeah. T'as entendu? Je suis avec Zacian. Toujours bien? Oui, mais Zacian, ça va un peu la pagaille dans la forêt de Slipwood. J'essaie de le calmer, mais je galère. On va l'aider. Capturer les deux. Tu peux me donner un coup de main? Dans la forêt. On part capturer les deux! Non, attends. On dirait que Zacian se fait du souci dans sa Pokéball. Nabil et Zamazenta nous attendent dans la forêt de Slipwood, allons vite les rejoindre. Mais... Capturer, je sais pas, mais attends, si on lui parle? Non. On peut voler. Je pense qu'on va l'aider à le capturer ou l'aider à l'affronter, mais enfin, tout le coup, il va pas réussir à le capturer. Connaissant. C'est ça le problème, c'est pour ça que. La forêt de Slipwood, ouais, c'est là. Ah, on peut. Non, on peut pas. Ta-ta-ta-ta-ta. Non, non, Zoro, ça va pas avec. Non, moi je pense que je vais pas le renommer. Je vais le laisser comme ça. Ah oui! Ah merde, on est pas dans un truc. Dommage. On fera ça après. Ah, elle est là, elle, mais genre. Ouais, genre, elle se TP. Oula. Mais non, c'est quoi ce bug? Ma musique préférée. Ah oh, oui, il est en ligne 1. Hein. Tellement stylé. Ah, ils l'ont mis en premier? Moi, je l'ai mis dans la team, moi. Ah oui. Attendez, par contre. Il est pas soigné du coup. Ouais, je suis soigné. Ah, il a le bouclier sur lui. Ouais, le bouclier pour rouillé. Qu'il puisse avoir sa forme. Ah ouais. Il peut pas l'avoir. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris en tout cas. Il a 230 PV. Ah oui, c'est une machine de guerre, on dirait pas. Hein. Ouais. Une machine de guerre. Oh. Parce que j'ai mis qui? Ah ouais, ok. Bon, on laisse comme ça. Attends, on a oublié de faire un truc. Depuis le début, quand on les voyait ici. On a oublié de parler à Sonia. Ah, il faut parler à Sonia? Je sais pas, c'est bien. Elle t'a donné un habit direct. Ah bon, bah tant pis. Bah, elle aurait pu nous le dire. Le légendaire Inistange. Sa scène est complètement fumée. Ouais, il paraît qu'il est ouf. Elle est ouf. Ouais. Ah, si est fait. C'est Miss Dibule. Ah oui. C'est vrai que c'est plus simple. Ça va, j'arrive. Doudoudoudoudou. Je vais plus barousser. Oh, c'est à pas gauche, c'est par là. Ouais. Non, moi je le renomme pas. J'aime bien Zamazenta. Ils ont tous les talents qui s'activent. Vous allez randomiser ou pas? Moi peut-être plus tard, quand ça sera possible. Pas tout de suite. Mais oui, une version random sur ce jeu. Ce serait énorme. Alors, c'est pas là. C'est ici. Oh, il est là. Zacian. Oh, la gueule. Oula, oula. Doucement, doucement, du calme. Tu vois, il y a les pupilles. Moi, il n'a pas les pupilles. Ah ouais. Ça va aller, tu peux le faire. Tu peux reprendre le contrôle. T'es pas le sauveur de Galar pour rien. Waouh.
Ah, tu vois, tu y es arrivé. Nabil, ça va? Tu l'as crevé? Ah, voilà, j'essaie juste de calmer Zamazenta. Il n'y a que toi pour dire, te dire que c'est une bonne idée d'essayer de calmer un Pokémon légendaire, déchaîné à main nue. Il a l'air content. T'es où? Ah, bon, je te cache pas quoi. Ah non, c'est bien. Au début, je menais pas large. Ouais. Hein, sérieux? T'es sûr? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il m'aime bien et qu'il veut devenir mon Pokémon. On calme. Waouh, mais c'est super! Enfin, il a gagné un truc. J'avoue. T'es vraiment sûr? Genre sûr et certain? Non, en fait, change d'avis. Dans ce cas. Mais il est à 2 mètres, on dirait qu'il va lui envoyer une patate. Surtout qu'il avait rien dans les mains. Oh, une Pokéball. Ok. Même pas de cling 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 cling. T'as mis ton starter au PC? Ah, oh, peut-être, ouais. Je sais même pas. Bah, j'ai mis Zamazenta en premier. Je suis trop bluffé. Perso, j'ai encore un peu de mal à réaliser. Mais je me sens sérieusement remotivé. Oh, le combat! Mais oui! Désolé, je vais faire mon travail, ça m'a accroché jusqu'au bout comme ça, mais faut se faire un combat? Ah oui! Après tout, c'est ici que tout a commencé! Allez, Nabil! Autant boucler la boucle. Autant bouclier la boucle. C'est ça qu'elle dit? Non, bouclier, ah. Bouclier. Attends. Moi, j'ai envie de garder sur la fin, du coup, s'il garde pour la fin, le Zacian. Bon, alors, je vais remettre le starter. On va mettre qui Oh, même Nantadja, mais il est un peu bas niveau. Attends, je vais juste faire des rappels parce que. Attendez, bah, je vais mettre Nantadja, allez. Je vais mettre avec l'orbe vie. Et je vais virer. Saranda. Et Bergamo. Et je mets l'orbe vie. Ah oui, mince, attendez. Ah, mais il avait déjà. Ah oui, j'ai inversé avec lui, ok. Et Téhéran, on va lui mettre. Bah non, c'est tout. Veste de combat. Ouais, allez. On attend. J'essaie de trouver les boutons. Merci. Ah mais si je lui mets ça, il reste normal, c'est ça? Ok, je vais lui laisser ça. De quoi, l'épée? Ouais, je suis genre là, il peut pas se transformer. Ouais, non, c'est nul. Allez, c'est parti. Pour le combat, à mon avis, je pense final. À mon avis aussi. Et il va avoir donc le légendaire. Voilà, ouais, pas tout de suite. C'est pour ça que je l'ai laissé. C'est pour ça qu'il y avait toujours 5 Pokémon dans l'équipe. La 6 là. Ouais. C'est parti Galou, c'est retiens pas tes coups. Enfin, jamais. Parce que... Jamais retenu mes coups. Ouais, donc ça augmente toujours. Mais c'est vrai qu'avec un boost d'attaque... Oh non, il n'a pas soigné. Ah oui, attends, mais il est au 69 je crois. Oh putain, Ah ouais. Oh, c'est dommage ça. J'avais plus de... Ah si, peut-être des BMEPO. Eh bah... Bon. Autogarde. Ce mot de temps met de l'espace. Moi ça va être du temps. Ah oui, du coup. Ah, je vais changer. Vous allez perdre, merci. Bientôt fini. Oh non. Toujours là. On perdra jamais. Oh putain. Tout ça. C'est vrai que son niveau là, il est pas mal. Moi je me booste hein. Ok, refais côté garde. Tes maîtres, je pensais qu'elle allait détrôner, mais maintenant j'ai plus vraiment d'objectif. Ouais, ils ont bien boosté les niveaux. Hein. On va essayer de choper la burn. La. Le poison. Séisme, ah oui. Bon, on va voir si je. Ouais, c'est bon. Plus que ça. On va mettre. T'as réussi? Ouais, t'as c'est bon. Ah non, t'as mis lui. Non, ouais, j'ai fait un close combat. Il a fait deux coteaux gardes quand même. Et t'as plus 6. Ouais. Allez, quittez, on va ronflex. On va pas tous. Ah non, Corvaillus. Mince. Ah non, il va me défoncer. Je peux pas switch en plus. Bon, tant pis. Enfin. Ouais, non. Bâtard. Allez, tchuss. Quelle vision de l'espace. Crémy route 4 dans les airs pour l'avoir. C'est vrai que t'as pas fait beaucoup jouer Crémy. Charmy ouais, c'est vrai. Ah, il fait le... Mais il était plus défensif, il était pas ouf. Allez, Yelevan. Là, je suis plus rapide. Et on part sur un. Je
crois que c'était la loose de, d'être le seul à ne pas évoluer. Oh, le mec, il fait remise en question pendant le combat. Alors, Corvaeus, ça va être chiant. Bon, on va tenter quand même. Je sais pas si je peux le rappeler que vous. Non. Ok. On va mettre. J'ai qui contre lui déjà. Ah, il va envoyer Ronflex tous les coups. Eh ouais, forcément. Obligé de changer. Et d'envoyer Nantaja à la limite. Mais bon, Tacle Lourd, ça va pas faire grand chose. Mais on n'oublie pas qu'il a 100 limites. Hein. Mur lumière. Plus que 6 gemmes. Pour avoir quoi, les 1000. Allez-y, on y est presque. Je sais même pas qu'il va prendre ça. Eh mais il est trop fort, hein, Corvus, il peut avoir prendre mur lumière. Putain, j'avoue. Et armure, c'est devenu mais rien comparé à lui. Ah oui. Incroyable. Racisme. Ça pas suffit du coup. C'est faut là que je la peur là. Que je pouvais aider les autres. C'est trop chou. Hein. En branche, on voit ce Pokémon là, là. Watapik. Ah non, dommage. Ouais, je sais pas. Peut-être de bonne défense. On va voir. Avec les murs lumière. Mais ouais. Allez. Ouais, oh, bof. Pas non plus exceptionnel. Electripic. Ah ok, là ça comme attaque. Ah oui. Allez, on va faire coup bas. Oh, Dracoflèche. Ouais, Dracoflèche plutôt. Pourquoi coup bas? Ah, guérison. D'accord. Ok, bon bah alors deux Dracoflèches. Là, c'est bien, c'est plaisant parce qu'il a, il a, il a, il a des sets pas mal. Enfin, pas mal. Ah oui. Il se défend quoi. Ouais, ouais, ouais. Par rapport à d'habitude. Le pauvre petit là. Allez. Trop mignon ce machin. 1000 likes, on l'a fait. Bien joué les gens. Bien joué. Merci beaucoup. Vous êtes combien encore là? Toujours la même hein. Ou c'est... Non, c'est... Ah ouais, à peu près. Ah oh ouais, à peu près, oui. Toujours vers les 1300. Ah ouais, ouais. On va voir. Alors, 70. Il a laser glace. Il a laser glace. Est-ce qu'il a Choice Pack? Est-ce qu'il résiste? Oui, Goku! C'est bien! Putain, sabotage. Il l'a fait cette fois. Ouais, l'intelligence artificielle a bien augmenté quand même. Ah, niveau 70? Attends, mais c'est abusé. Est-ce qu'il a niveau 75 avec son truc? Non, est-ce qu'il l'a déjà? Ouais, moi je pense qu'il l'a, mais niveau 110, comme on l'a capturé. Oui, il vient de le capturer, c'est vrai. Oh là là! Il dit en gros qu'il veut, il veut continuer à combattre avec nous parce que ça lui fait plaisir et tout. Enfin, c'est trop, trop ouais. Sympa. Ah là, il est là. Parfait, comme ça il va me tuer et je pourrais mettre l'autre. Trop stylé. Mais je pense qu'il me. Lui contre moi. Alors attends. Je pense qu'il a l'avantage sur le mien du coup. Parce qu'il est acier combat. Ah non, c'est neutre. Je sais pas en vrai. Mais j'ai pas d'attaque. Ah oui, j'ai l'âme simple contre lui. Ouais. Avec truc qui pique, c'est pas efficace. Ok. Allez, c'est parti. Zacian versus Zamazenta. Wow. Qui c'est qui va gagner? Bonne question. Je pense avoir t'as la... l'âme sainte. J'ai l'âme donc sainte. Lui, là, je sais pas. Il a rien. Oh la la puissance! Allez, fais ton Aegis Maxima. Y'a pas de problème, fraté. Attends, je tire pas vraiment pour voir. Sérieux, me dis pas que je suis tout seul dans mon trip. Bon, allez, finissons-en. Moi, je vais l'amener aussi, mais je sais que je peux pas le battre. Il a un truc neutre quand même contre moi. L'acier, c'est neutre. Ouais, c'est neutre, mais j'en ai plus qu'un. Après, c'est moi ce qu'il fait, hein, s'il, se... s'il fait rien à voir. Je vais faire Antise, allez. Est-ce que je suis... Ah, il est plus rapide. Il est plus rapide que toi? Ouais. C'est-à-dire qu'il a au moins 130 de vitesse. Il a éclair fou, hein. C'est dingue. Bah ouais. Ouais. J'ai pas les mêmes... J'ai pas ça, moi. Donc, tu l'as pas? Il a pas l'âme sainte. Non, j'ai pas ça. Attends. Ouais, non, c'est vrai. C'est juste. Il a un autre set. Non, mais toi, lui, là. Non, il a pas. Il a pas éclair fou, hein. Ah, bah ça veut dire qu'il lui a appris ou quoi. Parce que du coup, il a pas l'âme sainte pour pas que ce soit trop fort, justement. Ah, tu crois? Pas à voir. Bon, j'en ai qu'un, je mettrai pas KO. Non, tu vas faire vraiment mal. Close combat, il est encore plus fort. Oh, je résiste.
Ouais, mais il perd sa défense et là il y a moyen que tu fasses pas mal de dégâts. Ouais. Peut-être pas le tuer, mais le mettre vraiment mal. À mon avis, il y a moyen selon ta nature de lui faire vraiment mal. Un petit crit. Un crit, ça passe. C'est où? Oh, tu vois? Oh, presque, ouais. Coup critique! Ah, ouais, presque. Putain, presque. Oui, les gars, je suis de 20. Bon, allez. Allez, Almata! Ton moment de gloire. C'est ça. Faut juste que tu touches. Ouais. Faut juste que tu fasses un petit éclair magique. Faut allez. Fasse close combat. Close combat, ouais. Ouais, ouais, c'est bon. Enfin, c'est bon. Après. Ah, non, je peux pas. Bah, soigne ton autre truc et tu le remets, tu le bats avec. C'est ouais, plus, je pense. C'est plus stylé. Le battre avec ton Zamazet. T'en as plus, non? Si j'ai des rappels max, ouais. Ouais, tu soignes vite fait. Parce que là. Soigne ton Zamazenta. Ouais, oui, oui, c'est bon. Je vérifie ce que j'avais quand même. Ouais, mais non, j'ai plus d'attaque. T'as écrasé la team. J'ai plus d'attaque avec lui. Ah. Bon, même s'il a moins 2, non, je mettrai KO quand même. Oui, oui. Ouais. Et en plus, il a moins 2 avec close combat. Même moins 3 là parce qu'il va avoir attaqué. Ouais. À moins qu'il fasse l'attaque aussi. Ou éclair fou. Ah, il fait éclair fou, il va se tuer. Ah non. Ma chouille. Oh, j'aurais pu. Ah non, il met KO quand même. T'es nul ton truc. Ah, mais il a pas de défense. Non, mais il a pas trop de défense. Et maintenant, le retour. Fond de phase. Le Zamazenta. Pour te défoncer, ouais, mon gars. Stylés, hein. Ouais. Deux, hein. Ouais. Je préfère le bleu de Zamazenta que Zacian. Zacian, il a l'épée, l'autre il a le bouclier. Alors, le meilleur, tranche, t'as un coup critique possible. Machouille, c'est un peu plus fort. Ah ouais? Bah, pour ce qui lui reste, à mon avis. Ouais, c'est bon. Oh oui, en plus, il a moins 3. Ah, va. Mais. C'est bon, il a moins 3. Tu sais que si j'étais mort, j'ai perdu. Hein. Oui, mais t'étais pas mort. Mais il reste 30 PV. Ah, c'est bon. Ouais, t'es vivant. T'es vivant. Je veux dire. T'es vivant. J'aurais pu crever là. Oui, mais c'est bon. Allez! Oui! Ça, c'était chaud, hein. Failli, t'as battu la bille. Mais j'avais pas Eternatus aussi. Je l'avais pas pris. C'est vrai. Donc, c'était un peu plus dur. Avec toi et mon frangin pour me soutenir, je sens que je vais devoir devenir encore plus fort, merci. 11200. Allez, merci. Ah ouais, je t'en sueur là, j'ai failli perdre. Oui, mais il est fait acier, non? Il me semble, c'est ce que j'ai perçu. Ah, c'est toi. T'es vraiment pas le maître pour rien, hein. Bravo. Mais je sais pas, hein. Là, contrairement à toutes les autres fois, je me sens soulagé. Bien même, j'ai perdu, et alors? C'est pas grave. Caillou, c'est Pyrux, je crois que j'ai trouvé quel est mon vrai rêve. Je veux aider les Pokémon qui souffrent. Je veux travailler à la SPA, mais pour ça, il faut que je sois incollable sur les Pokémon et leur comportement. Donc j'ai pas le choix, il faut que je devienne professeur Pokémon. Quoi? Incroyable. Mais il y a déjà Sonia. En fait, j'ai compris, quand on faisait le tour... il va l'épouser. Quand on faisait le tour des stades pour sauver les Pokémon, je voulais les aider, mais je savais pas par où commencer. J'ai réalisé que j'avais de grosses lacunes en fait, c'est pour ça que j'ai tant galéré à trouver comment équilibrer mon équipe aussi. Donc je vais étudier comme un ouf, je veux tout savoir. Et un jour je serai professeur, vous serez fiers de moi, toi et Sonia. Je pourrais plus me consacrer aussi sérieusement à la non, je pourrais plus me consacrer sérieusement à la compétition. Je voulais ça à toi et à Tarak. Mais j'espère que t'as dans ton cœur. Je resterai toujours ton rival. Bien rival sûr. Un jour. Rival toujours. Oh, c'est beau. Pour l'ami. Sympa, quand même. Cette fin est sympa. Hein, ouais, mais... ouais, ouais. Ah là là, est-ce que vous êtes adorables, les deux? Je vais finir par lâcher une petite larme si ça continue. Bah alors, Sonia, tu t'attendrais avec l'âge? Pardon? Je te tiens que je suis encore jeune, hein. D'inhabile. Ça te dirait de bosser d'abord avec moi? Oh là là! Hein? Si ton objectif c'est de tout savoir sur les Pokémon, y'a pas mieux! Et comme tu veux devenir professeur Pokémon, je peux te former! Oh, mais ouais, mais trop, t'es sûr? Absolument! Et puis je n'ai plus mon assistante, tu vas avoir du pain sur la planche! Ah, mais en fait, tout ce que tu veux, c'est un larbin, hein! Pas grave, ça me fait pas peur! Un larbin! Gaius, je resterai ton fan numéro 1, j'espère que ce sera réciproque! Une version rare! De l'habile. Oh. Splendide combat et quel échange émouvant, j'en suis tout bouleversé. J'ajouterais même que ce combat était superbe, ce fut un échange touchant. J'en ai marre et j'en peux plus. Et Peterson et Frangin, il se passe quoi? La tête de Tarak. Ah, qu'est-ce que vous voulez encore? C'est vos pierreries, je vends celle. Nous sommes venus voir Galus et Pyrux. Ils disent qu'ils n'ont pas pu s'excuser correctement la dernière fois. Oh, moi aussi, je suis là pour le tenir à l'œil et vérifier qu'il ne s'écarte pas du droit chemin. Ce sont les héritiers du roi de Galar, après tout, il faut qu'il se monte digne. D'ailleurs, je veux bien que vous me racontiez les détails, on dirait que j'ai loupé pas mal de choses. C'est vrai qu'il était où? Pendant que je reprenais les affaires du président, ah oui. T'as raté un de ces trucs, ces deux bolos ont forcé des Pokémon à se dynamaxer partout. Oui, bon, nous avons eu l'obligeance de venir nous excuser, inutile de nous accabler. Tout à fait, sachez que nous sommes profondément contrits d'avoir fait du mal à des Pokémon d'innocents.
Malgré cela, Pyrrhus, ça a fait preuve de mansuétude à notre égard. C'est un comportement digne d'un roi. En fait, on est plus devenu ligue. On est plus, comment on dit, champion de la ligue, mais on est roi maintenant. Ouais, c'est ça. Vous êtes borné ou quoi? Les vrais rois, c'est Zacian et Zamazenta. Sûrement pas, nous avons eu la bonne grâce d'abdiquer. Pyrrhus se doit donc de monter sur le trône pour que notre sacrifice ne soit pas vain. Et quitte à abdiquer, autant le faire en faveur du personnage le plus important du royaume, afin que notre honneur soit sauf. Gallius, je pige pas trop ce qui se passe sous leurs cheveux, mais je crois qu'ils t'aiment bien. Je crois que c'est ça en plus. Sur ces bonnes paroles, il est temps de partir. Nous allons entamer un tour de galard pour saluer le bon peuple et nous excuser accessoirement. Ça va, ils sont bons en fond. Sur ce, adieu. Oui, ça va. Eh, revenez ici, je dois vous surveiller. Nabil. Ouais, Franja. J'ai vu ton duel avec Pyrrhus. T'es devenu super fort, franchement, je suis trop fier de toi. Tu as trouvé ta voie, Nabil. Tu as tout mon soutien et je ne dis pas ça juste parce que je suis ton grand frère. Tu es un super dresseur maintenant. Oh. Mais merci, Franja. C'est trop chaud. Et... Ouais, je l'ai fait rapidement. Hein. Ouais. Darak est un peu avare de compliments, mais les siens valent le pesant d'or. Ça va, Nabil? T'es tout rouge, là? Oh, ça va, arrête de moquer de moi, Sonia. Bon, on se rentre? Ouais, on fait la course à qui sortira en premier de la forêt. Ouais, faut parler à Sonia, elle sort. Sonia, on sort. Ah, c'était... Eh, hey, 2h30 quand même. Conséquent, hein, l'histoire, là. Plus long que la ligne, en fait. Ouais, j'avoue. Vous êtes les rois de Galar. Ça y est, la couronne.